Laisse mon habit. Jamais de la vie. Laisse mon habit. Ambiora, jamais. Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me tuer, hein? Regarde-le, regarde ton visage, regarde-le très bien. Il est innocent. Pourquoi tu veux le tuer? Qui vous a invité ici? Qui vous a fait appel? Est-ce que je vous ai appelé? Ambiora, n'est-ce pas que tu viens de me gifler? Tu viens de me gifler. Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu as intérêt à me tuer aujourd'hui. Tue-moi, Ambiora. Comment tu peux la gifler dans cette condition? Oh! Demande-lui pourquoi je l'ai giflé. N'importe quoi. Hein? Pourquoi? Moi, je suis revenu et je n'ai pas vu ma fille. Et je lui ai demandé où est ma fille. Elle me dit, ta fille est partie à Calabar. Mm. Vous pouvez imaginer le culot. Hein? Ma fille est partie à Calabar sans mon consentement. Qui fait ça? Elle est mienne. C'est la raison pour toi de la gifler? Oh! Merci. Hey. Hey, méfie-toi. Mais comment as-tu pu prendre toute seule une telle décision? Comment pouvais-tu prendre une telle décision sans consulter ton mari? Dégage-les, tu la fermes. Il n'est pas assez bon pour toi. Il est méchant. Est-ce qu'il est mauvais? Dieu te bénisse. C'est ce que fait toujours sa mère. Sa mère viendrait ici, prendrait ma fille et l'emmènerait à Calabar. Et chaque fois que ma fille revient, c'est l'odeur de chien qu'elle dégagerait. À cause de la viande du chien. Oh, la maman était venue. Sa mère était venue. Et a attaché ma fille à Calabar sans mon consentement. Elle est mienne, mais écoute, si tu ne ramènes pas ma fille maintenant. Aujourd'hui, je vais me tuer. Pas de problème. Tu me verras chez toi aujourd'hui. Tu me verras en chair et en os. Tu vas me dire pourquoi est-ce que tu as compliqué ma vie et emmené cette... Ekene, tu me verras. Aujourd'hui, tu ne me rateras pas. Tu verras. Aujourd'hui, tu me diras pourquoi, Ekene. Tu me diras. Katine, s'il te plaît. Où est Akachi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, où est Akachi? Maman, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Ogini? S'il te plaît, maman, je cherche Akachi. Pourquoi? Sa belle-sœur est en train de se battre avec son mari. Elle est en train de l'embrayer comme pas possible. C'est pourquoi tu as sursauté de ton royaume pour venir chercher Akachi, la bagarreuse enceinte. Oh là, dehors. Akachi ira nulle part. Laisse-moi te demander. N'avez-vous pas des anciens chez vous, dans votre royaume? Ils ont voyagé comme d'habitude. Ah, maman, ils se battent. Biko, s'il te plaît, t'occupe pas de ma mère. Akachi n'est pas là. Nous ne savons même pas où elle est allée ce matin. Ok, il n'y a pas de problème. Si elle revenait, dites-lui qu'il y a bagarre dans la maison. Disparaît! Bye bye. Mais maman, vraiment, est-ce que c'est comme ça que tu devais lui parler? Toi et moi savons que Akachi va déchirer cette femme. Et toutes deux sont enceintes. S'il te plaît, ne dis rien à Akachi. Tu crois que je ne maîtrise pas ce que j'ai dit? Peu importe, tu ne devais pas lui parler comme tu l'as fait. Hein? Ce n'est pas juste quand même. Madame, s'il te plaît, pardon. Laisse ton mari un peu. Laisse-moi. Parce que je vais appeler ta mère. Si ta mère refuse de ramener ma fille, si elle refuse de me ramener ma fille, je vous causerai des ennuis. Ça, c'est bien. Je vous causerai des ennuis parce que j'ai payé ta dot lourdement. Ambiora, tu es très stupide et invéritable pour rien.
De quelle dot parles-tu? Obiora, tes amis versent la dot avec des millions et toi tu es là en train de me balancer des balivernes. Obiora, tu m'avais ramené dans ces villages merdiques en me disant que ton père était l'homme le plus riche de ces villages. Est-ce que mon père n'est pas riche? Obiora, ton père n'est pas riche. Regarde l'état du lieu auquel tu m'as ramené. N'importe quoi. Tu n'as pas de sens. Obiora, tu es vraiment stupide. Tu es un être stupide. Tu es stupide. Mon père n'est pas riche. C'est quoi ça? Mon père n'est pas riche. Obiora, tes amis payent la dot avec des millions. Et toi, tu es en train de me raconter des bêtises. Que je paye un million. Insensé. Pour toi encore, tu n'as rien. Une autre toi. Obiora, tu n'as pas d'argent. Paye un million. Paye un million pour qui? Toi, ce conteneur de déchets, paye un million pour qui? Écoute, laisse-moi te dire. Si ma fille ne revient pas dans cette maison, et qu'est-ce qui va se passer? Des ennuis. Obiora, tu ne fais rien. Aura des ennuis. Obiora, tu ne feras rien. Je me copierai de ta mère et de toi. Tu ne feras rien. Tu devrais me remercier d'être venu à Calabar pour te ramener depuis Calabar à cet endroit. C'est ton droit sale. Tu dois de voir un bon village. C'est ça que tu appelles un bon village? Un village sale, horrible, pitoyable, qui sont les ordures. Tu m'as ramené dans un village qui pue. Si ce n'est pas à cause de ce bébé, ce que je t'aurais fait, tu regretterais le jour où tu es. Obiora, tu ne peux rien me faire. D'accord. Tu vas me tuer aujourd'hui. Obiora, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Hein? Maman, c'est comme je disais, je ne sais pas. Elle n'a dit à personne où elle est allée. Depuis que nous ne sommes querellés, elle a gardé une dent contre moi. Cette fille, pourquoi elle peut même aller se tirailler avec la femme de son frère? Hein? Pourquoi tu ne pars pas vérifier si elle est allée dans la maison de son père? Je l'ai dit puisque je suis préoccupée de mes petits-enfants. Oh. Je suis inquiète. En quoi cela me concerne? Si tu me soulèves ou si tu me ramènes au sol, maman, je n'irai nulle part. Oh, bébé Winaka. Méchante que tu es. Je savais que tu n'allais pas partir. Laisse-moi aller voir moi-même. Je reviens. Reste sur la maison. Bye bye. Je reviens. C'est toujours le nom d'Akati. Tous les jours. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Ha! Oh! Je suis là. Ekene? Sorry, si je suis là. Ekene? Où est-il? C'est quoi? Ekene? Ekene! Ekene! T'es là? Akati, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu crier mon nom. C'est quel genre de question? En quoi puis-je être utile? Oh mon Dieu! Donc tu as eu le courage, le culot de venir chez moi et me couper le courant. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu as même emmené mes câbles chez toi à la maison. C'était pour me tuer ou quoi? Es-tu un voleur? As-tu double face? Attends. Akati, ou peu importe ton nom, je ne te permettrai pas de venir m'insulter dans la maison de mon père. Jamais. Jamais dans mon nom, mes câbles, tu me dis encore jamais. Bien qu'on m'a parlé de tes histoires, et je ne tiendrai pas compte de ton état. Ce ne sont pas des bonnes si histoires. Si tu ne t'occupes pas de tes affaires. Si tu ne te respectes pas, ne sais-tu pas que ton mari qui travaille au palais n'a pas payé de facture d'électricité? Alors quoi? Dis-moi. Allons, Guinée. Dis-lui d'aller payer. C'est pour ça que tu as coupé mon courant. N'as-tu pas honte? Écoute, Akati, si tu n'es pas venu payer la dette de 5000 naira et la dette en cours de 2000 naira, s'il te plaît. Voilà le chemin. Sors de chez nous avant que je ne fasse quelque chose de bien. Sache que je ne fais pas affaire avec toi. C'est avec ton mari que je fais affaire. Alors tu ferais mieux de ne pas interférer. On aurait tout vu dans ce monde. Donc, c'est la maison de ton père. Aïe! Pourquoi suis-je ici en train de te parler? N'as-tu même pas honte? Tu habites vraiment la maison de ton père? À cet âge, tu es chez les parents? Tu n'as pas honte? Moi, à ta place, j'allais me taire. Mais toi, tu as le courage, n'est-ce pas? Regarde-toi, un homme est honté. Donne-moi mes câbles. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. N'as-tu pas du respect pour ta mère? Elle te pose la question. Dis-lui, qu'est-ce qui se passe? Moi, écoute-moi bien. Laisse mon fils tranquille. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème? Je ne suis pas surprise. C'est comme ça que vous êtes. Tu devras donc aller chez moi, hein?
Je te donne 10 minutes. Non, 20 minutes. Non, c'est beaucoup. 10 minutes seulement. Tu vas prendre mes câbles et tu vas aller remettre mon courant aujourd'hui. Connecte-moi pour que je te laisse tranquille. Ok, c'est quoi le problème? Maman, ils ont la dette de 2 mois de facture. Et c'est moi qui en subis les conséquences. Son mari m'avait invité ce matin. Quand j'y suis allée, il était déjà sorti. N'est-ce pas de la méchanceté? Qu'est-ce que c'est ça? C'est du n'importe quoi. Arrête de me tenir. Je ne laisserai pas. Paye tes dettes. Évite-nous. Peu importe ce que tu me dis là. Ça m'est égal. Va me remettre. Aïe. Tu as poussé ma mère? Oui, je l'ai poussé. Et qu'est-ce que ça va faire? Oga, qu'est-ce que c'est? Ekene est en train de tabasser ta femme. Ekene? Oui. Où? À la maison. Tu dois te rendre là-bas maintenant. Onyeka, il faut que tu ailles maintenant. Onyeka, pourquoi tu as arrêté la voiture? Qu'est-ce qui se passe? Ma princesse, s'il te plaît, ma princesse, Biko, c'est une urgence, d'accord? Je dois aller gérer ça. Biko, je sais que tu peux conduire. Je vais te rejoindre au palais. Onyeka, s'il te plaît. Il y a une urgence, j'arrive. Onyeka! Accepté. Ça fait la deuxième fois que ça se passe. Hein? Sa mère attendrait que j'aille au travail. Et après mon départ, elle se glisserait dans ma maison, prendrait ma fille et l'emmènerait à Calabar. Où est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas du tout acceptable pour moi. Je ne le prendrai pas. Mon beau-fils Obiola, je veux que tu te calmes. Apaisse-toi un peu. Je sais que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Elle t'a manqué de respect. Elle a tort d'avoir fait ça. Mais essaye de te ressaisir. Il me corrige pour moi, ouais. Regarde ce que c'était ton fait. Hein? S'il te plaît, calme-toi. Hein? Tu sais comment les femmes enceintes se comportent. Est-elle la seule femme enceinte? Est-elle la seule femme enceinte dans ce village? Elle n'est pas la seule. Depuis que je l'ai épousée, elle ne fait que tourmenter ma vie. Hein? Si je suis le seul homme Igbo qui soit allé à Calabar pour épouser une femme Calabar, juste pour que la paix règne dans ce pays, hein? Elle me donne des fils à retordre. Si sa mère refuse de ramener cette fille, hein? Elle ira rejoindre sa mère. Point barre. J'ai parlé. Obiora, mon beau-fils, je comprends ton souci. J'aurais souhaité que tes parents soient là. Hein? Mais peu importe. Essaye de te calmer. Mets bas la terre. Et je sais pourquoi je t'ai dit tout ça. S'il te plaît. Qu'en est-il de ta sœur Akachi? Elle était venue ici aujourd'hui. Maman, je n'ai pas vu Akachi. Dis-le-leur. Dis-le-leur. Tu sais combien ma fille est belle. Et si elle revenait maintenant et elle dégage l'odeur de chien. Et entre trop manger la viande de chien. Hein? Maman, dis-le leur. Si la fille là dégage l'odeur de chien, ou si quelque chose lui arrivait, ou bien sa belle peau. Maman, tu vois ma femme là, je la ferai dégager l'odeur de bouc. Je m'occuperai d'elle. Tu m'as compris? Va le leur dire. Obiora, si ta fille rentre avec l'odeur de la viande, tu n'as qu'à l'acheter les savons de chien pour les nettoyer. D'accord. Est-elle déjà rentrée? Tu veux dire Akachi? De qui encore je parlerai ici si ce n'est pas d'Akachi? Oh, elle n'est pas encore rentrée. Tu l'as pas trouvée chez son frère? Elle n'est pas là-haut. Ma fille, tu devais voir la blessure que cette moche de femme a causée à Obiora. Maman, c'est pas vrai. Hey!
c'est très sérieux. Hé, hey, maman, mais pourquoi ils se battent, hein? Ma fille, c'est très compliqué. Le problème est que la maman de sa femme était venue, elle a pris Zara sans son consentement. Hé, hey! Akwatajuru, maman, ce n'est pas bien. Oh. Comment on peut faire ce genre de choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, oh ma fille, tu as chauffé la soupe? Maman, j'ai chauffé la soupe. Oh, mais mon Dieu, aide-le. Akati ne va pas épargner cette femme. Oh. Elle ne va pas l'épargner. Maman, laisse-moi t'apporter à tout moment. Manger. C'est Akati. 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 Ha! Ça veut dire quoi, la soupe est salée? Je suis désolée, votre majesté. Tu es désolée? Allez, pars d'ici. Merci, votre majesté. Tu n'as qu'à les jeter. Maman. Ma fille, où est ton chauffeur? N'est-ce pas que vous avez quitté le palais tous deux ensemble? Oui, maman, nous avons quitté le palais ensemble, mais quand on revenait, il a connu une urgence. Donc, il était obligé d'aller rapidement résoudre ses problèmes. Et il t'a laissé seul? Oui, maman, je suis fatiguée. Ton père doit virer ces garçons. Quoi? Pourquoi? Comment il peut laisser la princesse seule en pleine route pour aller assister à des stupides urgences que lui seul sait? Du calme, maman. Non, il doit être viré. Maman, je t'en prie, essaie de te calmer. Maman, toi et moi savions très bien que la femme d'Onyeka est enceinte. Qui sait si elle est allée accoucher? Et alors? C'est pour ça qu'il doit t'abandonner? Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter. Tu sais quoi, maman? Je suis très fatiguée. Je m'en vais voir papa. Calme-toi. Il ferait mieux de mettre ses deux pieds ici au palais. Sinon, je les lui ferai amputer. N'importe quoi. Je vous salue, mes anciens. Ok. Salut. D'accord. J'ai rencontré Onyeka ici hier et je lui ai rappelé les factures qu'il devait payer. Et il m'a dit, viens chez moi demain matin. Et ce matin, j'y suis allé avec mes hommes et il n'y était pas. Alors nous avons décidé de les déconnecter et d'aller avec le cadre. Parce qu'il nous a fait de très longues promesses et il a refusé d'honorer ses factures. C'est un client très difficile. Alors sa femme ici est venue chez nous pour m'attaquer d'avoir fait mon travail. Onyekachi, est-ce que ce que dit Ekene est vrai? Mes anciens, avant que je ne dise quoi que ce soit ici, je dois poser une question à Ekene. Vas-y, pose la question. Nay, je lui ai dit de venir ce matin. S'il vous plaît, il est quelle heure chez vous? 11h59 minutes. 11h59 minutes. 11h59. 11h59 minutes. Il est déjà midi? Calmez-vous. Réponds non, est-ce que c'est midi? Calmez-vous, calmez-vous. Ekene, tu étais impatient. Ouais. Oui, Kati t'a dit de venir le matin. Hein? Et nous sommes toujours dans la matinée. Hein? Tu n'as pas bien fait pour être allé couper sa ligne. Il est même allé plus loin. Et emporter aussi. Mais non, demandez-lui en quoi il m'accuse. Mes anciens, ce n'est pas sa première fois. Il a toujours promis pour ne pas honorer. Mmh. C'est ça le problème que j'ai toujours avec. Tu n'es pas sérieux. Non, mais tu aurais dû lui donner tu le. Tu n'es pas sérieux. Il a dit le matin, nous n'avons pas encore dépassé le matin. Nous sommes toujours dans la matinée. Oga, tu vas devoir payer toutes tes factures. Sinon quoi? Sinon quoi? Écoute-moi bien. Sinon tu quoi? Vas finir cette fois-ci. On verra. Tu continues encore. Qu'est-ce que tu peux faire? Fais attention. Tu ne me feras rien du tout. Fais attention. Ekene, s'il te plaît. Sérieusement, maman. Je ne vois pas pourquoi tu en fais une histoire personnelle. Oui, pour l'amour du ciel, cet homme devait aller répondre à une urgence de sa femme. Sa femme est enceinte. Et je ne me plains pas. Il t'a manqué de respect en tant que princesse du royaume de Omado. Il doit être puni. Admettons que quelqu'un t'a attaqué en route, avec tout ce qui se passe dans ce royaume au quotidien. Non, non. Maman, je t'en prie, calme-toi, regarde-moi, je vais bien. Papa, aide-moi à faire raisonner maman. Elle fait des scènes pour rien. Princesse, ta mère a pleinement raison. Ce qu'elle dit a vraiment raison. Au fait, je sais quoi faire.
Regardez vous-même. Il n'est pas encore ici jusqu'à maintenant. S'il te plaît, ne fais pas la défense. Laisse-nous le gérer. Honnêtement, bébé, je ne vois vraiment pas ce que ce jeune homme m'a fait de mal. Oui, il est au courant que je sais conduire. Sinon, il n'allait pas me laisser comme ça. D'ailleurs, il m'avait demandé très poliment qu'il devait aller rapidement répondre à une urgence. C'est pas comme s'il avait sauté de la voiture et m'a abandonné. Il a tort. Il a vraiment tort. Tu es la princesse de ce royaume. Et ce qu'il a fait est un sabotage à la famille royale. Allez. Hein? Ouais, mais bon, moi, je n'ai rien à dire face à ça. Laissons ton père en décider, voilà. Tu es sérieux? Après tout, tu n'es pas différent de mes parents. Tu sais que je n'aime pas ce gars. Je ne l'aime même pas un tout petit peu. Même pas un tout petit peu. Hein? Est-il le seul à avoir des urgences? Pourquoi devait-il faire ça? Je viens à peine de te dire que ce n'était pas intentionnel. Hein? Je suis venu voir ton père. Madame, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. Ouais. Ouais, ça va. Votre bébé va bien. D'accord. Ok, il n'y a aucun problème. Docteur, êtes-vous sûr? Parce que mon bébé bouge souvent son pied droit. Mais lorsqu'on venait, il bougeait son pied gauche. Ce qui signifie qu'il y a un danger. Ah, docteur, s'il vous plaît, je ne sens plus mon bébé. Madame, votre bébé va bien. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est faux, vous mentez. Non, attends, il faut bien vérifier, docteur. Peux-tu te lever afin qu'on rentre? Le docteur a dit que le bébé va bien. Mais chérie, quand saute encore, non? Yeah. Lève-toi, allons à la maison. Pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi est-ce que tu cries? C'est le docteur qui porte l'enfant en question. Est-ce qu'il sait ce que je ressens? Savez-vous ce que je ressens? Tout ce qu'ils font ici sont des choses qui n'ont même pas du tout de sens. Écoutez, mon bébé ne bouge pas. Il ne bouge pas, docteur. Trouvez une solution. Il ne bouge pas. Vérifiez encore. Écoute, cet enfant m'a donné 4 coups dans mon ventre. Ah! Il t'a donné 4 coups de poing au ventre. Comment? Ah oui, c'est tellement grand. Un explosif. Vous voyez? Il ne bouge plus. Le bébé ne bouge plus. Hey, non. Mon bébé, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Est-ce que tu es là? Tu vois maintenant? Hein? Je jure devant Dieu, il ne bouge plus. Il ne bouge plus, mon attends, bébé. Attends. Docteur, pouvez-vous la consulter à nouveau? Parce que je commence pas à me sentir inconfortable. Tiens, Truman, croyez-moi. Votre femme et le bébé vont bien. Docteur, je dis que je ne sens plus mon bébé, non? J'ai peur. On a peur, je ne sens plus mon bébé. Vérifie encore. Je ne partirai pas si vous ne faites pas quelque chose, docteur. Akachi, le docteur a dit que le bébé va bien. S'il te plaît, rentrons. Je ne bougerai pas d'ici. Pikono. Obiora. En tant que mon ami, je dois vraiment te conseiller. Tu dois vraiment te calmer, oh. Hein? Juste regarde toi-même, regarde tes mains. Regarde ton visage. Rien que toi qu'on entend, tu n'arrêtes pas de faire ça. Je te dis que cette femme va te détruire. D'accord. D'accord. Je préfère mourir que de la laisser prendre ma fille et l'envoyer là où elle veut. Je ne le ferai pas. As-tu appelé sa mère? Peux-tu t'imaginer? J'ai appelé sa mère. C'est sa mère qui a commencé ça. Maintenant, elle me dit que je dois lui envoyer les frais de transport. Yves Kwanonouya, si tu vois sa bouche gondolée, que je lui envoie des frais de transport pour amener ma fille. Mmh. Est-ce que c'était moi qui lui envoie les frais de transport pour venir la prendre? Voilà l'absurdité qu'elle vomissait. Elle envoie les frais de transport. C'est ce qu'elle disait. Et je lui ai dit. Elle a dit que je suis en train d'attaquer sa mère. Hein? Parce que ma mère n'est pas en vie. T'inquiète, les deux, je vais m'occuper d'elle. Je vais les combattre jusqu'à ce qu'elle me ramène ma fille. Jusqu'à ce qu'elle me ramène ma fille ici, elles n'auront jamais la paix. Elles verront ce que je vais leur faire. Mais il y aura un autre problème. Si la fille là revient ici, dégageant l'odeur de la viande de chien, il y aura une autre guerre. C'est d'accord, j'ai entendu. Je vais parler à ta femme. Parle-lui. Je vais parler à ta femme. Je vais le faire, ne t'en fais pas. Parle-lui. Mais tu dois d'abord y aller doucement, Obiora. Parle-lui. Tu dois te calmer, mon vieux. Comment si je vais commencer?
Quand moi aussi je vais commencer, elle ne pourra pas le supporter. Vas-y doucement. Regarde-moi. Tu touches ma main. Tu as quoi? Vous avez réussi maintenant. Mon bébé bouge. Mon bébé, ça va. Tu bouges maintenant, hein? Donc, tu n'as plus de doute dans ta tête? Pas du tout, hein, chérie. Parlons aux anciens que le bébé bouge maintenant avec son pied gauche. Comme ça, ils vont les punir. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi dois-je mentir? Pourquoi ne peux-tu pas? C'est quoi ça avec toi? Pour qui est-ce que tu te prends même? La guerrière. Merci. De rien. Docteur, merci beaucoup. Hmm? De rien. Alors, combien je vous dois? C'est 10 000 naira. Hmm? Combien? Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait de spécial? M'as-tu donné une piqûre? Pourquoi 10 000 naira? Vous voyez, c'est une clinique ici. Donc, quand un patient utilise le lit pour un jour, ça donne une facture de 7 000 naira. Et la consultation plus les textes font 3 000 naira. Ok, docteur. Enlève la maladie. Parce que je ne suis pas malade. J'étais juste venu pour voir si le bébé bouge. Mais vous êtes couché sur le lit, ce qui donne une facture de 7 000. Pour combien de minutes? Vous voulez voler mon mari? Ça ne sera pas possible. Je n'ai même pas fait 3 ou 5 minutes ici. Mais tu es retourné te coucher. Hein? Écoute, Akachi, tu me fais dépenser inutilement. Et je n'aime pas ça. Monsieur, arrête des dérangements. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, paye, non? Ah, n'es-tu pas le chef de chauffeur là-bas au palais? Tu as beaucoup d'argent. Vas-y, paye, non? Vas-y, fais-le. Docteur, prends l'argent chez lui. Je te défends et tu ne sais même pas me parler. Docteur, s'il vous plaît, ne la regardez pas. Je n'ai que 7 000 sur moi. S'il vous plaît. D'accord, mais vous devez toujours à la clinique 3 000 heures. Pas de problème. Merci d'accord. Beaucoup. Les voici. Ça va. D'accord. J'irai lui prescrire les médicaments. C'est bien. Ça va. Merci. Ça va. Oh mon Dieu, cet endroit est merveilleux. Je vais encore me reposer. Nania, madame, n'ose pas. N'essaie même pas ça, docteur. Si elle ose s'allonger sur ce lit encore, s'il vous plaît, détenez-la jusqu'à ce qu'elle paye. Fais attention, hein. Alors, s'il veut sortir maintenant, qu'est-ce que je veux faire? L'accouchement ne vient pas en ce moment, d'accord? Épargne-moi de ces bêtises. Ça va, j'irai prescrire les médicaments. Je me sens vraiment fatiguée. Lève-toi. Lève-toi de là. N'est-ce pas que tu vois que je suis en train de descendre? Oh. Je ne sais pas pourquoi les motocyclistes ne passent pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mon mari, doucement, hein? Tu dois aller un peu plus vite, hein? Comment je vais marcher vite? Calme-toi, non? Va un peu plus vite. Comment je vais marcher vite, non? Ok, arrêtons ici en espérant une motocycliste. Ah, c'est moi qui suis en face, pas toi. Je ne saurais pas marcher vite. Faisons un peu d'escalier, s'il vous plaît. Je ne saurais plus marcher. Attendons seulement ici. Now. Où allez-vous? Où moi? Une personne 150, deux personnes 250. Beaucoup comme ça? Pourquoi même? Tu parles d'une personne et deux personnes. Donc ça va faire 200. Es-tu malade? Madame, ne m'insulte pas, hein. J'ai une famille. Famille? C'est bien, non? Moi, je suis quelqu'un qui va nourrir ta famille. Écoute, ta famille n'est pas du tout notre problème, oh. Mon ami, peux-tu te calmer? Dois-tu colorer avec tout le monde? Je veux le faire avec tout celui qui va me Madame, chercher. Madame, tu la fermes. Mon frère, s'il te plaît, voici ce qui va se passer. Je dois... D'accord. Je vais arrêter l'autre qui arrive. Ma femme monte chez toi, je te paie ça. Non. En tout cas, non. Regarde très bien. Celui-ci me transporte. Dois-tu colorer avec tout le monde? Non. Dois-tu colorer avec tout le monde? Il ne va pas... Si je la prends, c'est seulement à cause de toi. C'est seulement à cause de toi. Je ne monterai même pas sur ta moto, tu passes ton temps pour va rien. Va monter sur l'autre je là. Je ne le ferai va pas. Là-bas. Mon frère, s'il te plaît, quelle monte chez toi? Va monter sur l'autre là. Attends d'abord. Écoute-moi bien, oh. Tu ne calcules plus. Rappelle-toi que tu n'es qu'un simple chauffeur de palais.
Madame, vas-y, quitte ici. C'est l'argent que je ne me donne pas. Hein. Je veux des bandes. Madame, je dis vas-y, quitte ici. Tu me connais. Hein. Oga, s'il te plaît, penche ton engin afin qu'elle monte. Merci. Hein, Oga, s'il te plaît, oh, doucement. Doucement, oh, je t'en prie. Hein. Allez, mon frère, on y va. Comment va le bébé maintenant? Je vais bien, j'ai juste besoin du repos. Akachi, tu dois prendre tes médicaments pour que je puisse partir. Hein? Pourquoi tu dis ça? Tu m'avais promis de me masser le dos. Akachi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? La princesse m'a appelé et j'ai en fait raté tous ses appels. Je dois retourner au palais, s'il te plaît. Non, tu vas me masser le dos, c'est quoi? Maman peut te faire cela, pas moi. Non, c'est toi que je veux et non maman. Pourquoi? Parce que tu es mon mari. Ne vois-tu pas que je suis en retard? Je suis en retard, je dois être au palais. Hey. Qu'est-ce qui ne veut pas avec toi? Quel est ton problème? Viens vite me masser le dos. Viens me masser vite, non? Ne te dérange pas, ma fille. Je vais te masser. Et je le ferai très bien. Laisse-les partir. Maman, je dois m'en aller. Il doit se dépêcher. Voici ses médicaments. Ok. S'il te plaît, aide-moi bien la masser, d'accord? Je le ferai. Akachi, Onyeka, je sais ce que tu veux avec cette princesse, oh. Je le sais très bien. Je sais ce que vous faites. Corrige-toi vite, oh. Bientôt, vous serez mise à nu, oh. Au lieu de masser ta femme, tu me dis que tu peux arranger la princesse. C'est quoi ça avec toi? On verra bien. Pas de problème. Je le ferai bien. Ça va se savoir, oh. Bien, mon roi. Nous avons été capables de sécuriser notre contrat avec la compagnie de pétrole et gaz. Mais aussi, la compagnie de pétrole a accepté de signer avec notre compagnie. Alors, nous attendons les documents nécessaires pour y procéder. Wow! Joe, je suis très fier de toi. Tu as fait un boulot impressionnant. Merci, monsieur. Joe, tu as fait du bon boulot. Je suis très fier de toi. Merci, ma reine. De rien. Je serai au bureau demain pour que nous signions tous les documents nécessaires. Et j'espère que ça ira. Eh bien, c'est d'accord, mon roi. Merci encore. Madame, les documents sont prêts. D'accord, merci. Ma princesse, est-ce que ça va? Oui, bien sûr que ça va. Ok, nous maintenons la réunion, genre, je continue de planifier la réunion. Oh non, t'inquiète pas, n'annule pas la réunion, continue avec le préparatif. Je vais bien, apporte-moi juste un verre de jus. D'accord, ma princesse. Oh, wow. Voyez-moi celui qui a finalement décidé d'appeler. Allô, Onyeka. Ok. Je serai là bientôt. Dois-je attendre? Dois-je t'attendre? Sinon, ils ne m'ont pas permis de voir tes parents. Dans ce cas, je vais t'attendre alors. Concernant cette réunion, je te demanderai de l'annuler. J'ai une urgence, donc je dois y aller tout de suite. Ok. Et votre jus, alors? Désolée, j'ai plus le temps pour ça. On se verra demain. Ok? Oh, oh. Oh, Biora. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde ton visage. Akachi, laisse-moi t'en. Obura, qu'est-ce que c'est? Regarde tes mains. C'est juste un léger accident. Laisse-moi s'il te plaît. Accident? Es-tu sûr?
que tu dis pas si c'est sûr. C'est juste un motocycliste imprudent qui m'a connu. C'est lui qui m'a fait ça. Obiora, es-tu sûr que ce n'est pas Rosa qui t'a tapé comme ça? Je veux bien lui rendre son compte, je te dis. Je te dis la vérité, oh. Tu as quitté chez ton mari pour venir me dire. N'es-tu pas mon frère? Ça t'a fait mal. Désolée. Ne le fais plus. Pourquoi est-ce que mes pensées me disent que c'est Rosa qui t'a frappé? Pourquoi ton esprit ne peut pas te dire que c'est un accident? Hein? Ton esprit, est-ce que tu as un esprit criminel? Ok. Où est ta femme? Elle allait dans sa boutique. Elle va rentrer quand? Oh Dieu, Akachi, pourquoi tu fais ça? Qui t'a envoyé pour venir enlever le sommeil de mes yeux? Hey. Sais-tu comment je lutte pour pouvoir dormir? Je prends des médicaments. Je dois dormir pour que ça travaille. Fia, ne peux-tu pas changer? Je t'ai venu te prendre pour que tu m'accompagnes chez nous. Tu sais que la grand-mère m'a pas payé d'aller prendre Oziza. Je ne veux pas en manquer. Oh? Je ne peux pas. Ne vas-tu pas que je ne porte pas bien? Hein? Je t'ai dit que j'ai eu un accident. Tu n'as même pas pensé à savoir, s'il te plaît. Tu attends jusqu'à la semaine prochaine. Je me porte bien. Ce n'est pas ces petits trucs. Laisse-le. Petite chose. Laisse-moi me rétablir un peu. Mon esprit me dit que c'est Rosa à qui t'a fait ça. Parce que je la connais très bien. Attends, c'est elle qui peut faire ça. Il n'y a rien sur mon visage. Mon mari ne peut jamais le faire. Tu sais bien qu'il m'aime beaucoup. Onyeka. Igwe. Et donc tu as eu le courage d'abandonner la princesse au beau milieu de nulle part, juste pour aller te battre, avec toute la considération qu'on te donne par la famille royale. Comment oses-tu? Igwe, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous savez, ce n'est pas ce que vous pensez. La vérité est qu'un jeune homme bagarrer avec ma femme enceinte. Oh, s'il te plaît, ferme-la. Arrête-toi là. Nous avons appris tout. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Tu y es viré. Papa. Très bien. Igwe. Hey. Igwe. Papa, je t'en prie. Papa, aie pitié de lui. Ce jeune homme a toujours bien fait son travail. Maman, Joey, allez, dites quelque chose, sa femme est enceinte. Papa, je vais continuer à travailler avec lui. Princesse, tu ne peux pas contester ma décision. Ma décision est finale. Alors, Onyeka, sors d'ici. Igwe, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça. Hein? Princesse, parle à ton père, s'il te plaît. Il a dit que tu t'en vas d'ici. Pars! Igwe, s'il vous plaît. Ma femme est enceinte. Comment vais-je prendre soin d'elle? S'il vous plaît, princesse, parle à ton père, s'il te plaît. Garde! Ne me pousse pas à déverser ma colère sur toi. Va-t'en. Princesse. Allez, va-t'en. S'il te plaît, papa. Maman. S'il te plaît, ne m'appelle pas maman. N'y va pas. Tu ne comprends pas. En tout cas, tu ne comprends rien du tout. Hé, Akachi, j'espère que tu en as fini avec cette fille de Calabar que ton frère a épousée. En finir avec? Qui? Hé, donc tu ne sais pas. Parle, non. J'étais dans la maison de ton frère ce matin, si tu avais vu la bataille. Qui est qui? Cette fille de Calabar, Rosanna. Et ton frère, hey, il fallait voir comment cette fille a humilié ton frère. Hey! Oh! Elle l'a tapé. Ah! Rosanna a tapé mon frère? Oui! Hey! Je l'avais dit. Ah! Je le savais! Mon esprit me disait que c'était elle qui avait tapé mon frère. Je le savais! Elle l'a mordu. Elle l'a griffé. Au visage, au dos. Hey! J'avais vu le visage partout. Es-tu sûr? Tu étais là? J'étais personnellement là. Ce n'est pas comment raconter. Ou je l'ai appris quelque part ou auprès d'une personne. J'étais là. Ah. Hey! Si j'étais à ta place, je devrais me rendre là-bas maintenant. Je sais ce que tu es capable de faire. Arrête de beaucoup parler. T'inquiète. Je m'en vais là-bas. Rosanna! Hey, écoute-moi bien. Ne me suis pas. Reste là-bas. Je vais casser quelqu'un aujourd'hui. Hey! Rosanna! Rosanna! Hey. C'est aucun homme qui est né d'une femme peut me frapper et partir d'elle. Ma je l'ai tué.
purée, comment il te s'est permettre à te frapper? C'est juste parce que tu es d'une autre tribu. Oh, tu vois, c'est ce que je disais à Obiora. Ma soeur, si ose encore te frapper, il faut le frapper aussi. Crois-moi, ma belle, je n'ai pas de bêtises. Dans cette condition. Crois-moi, ma chère, je m'occuperai d'Obiora. Qu'il ose encore me frapper. Même pour Jesse. Rosanna, tu me cherches. Rosanna, tu vas me tuer aujourd'hui. Hey! Doucement, hein? il faut la taper doucement. Tu me suis toujours, hein? Tu n'entends pas, hein? Hey! Oh, cette fille, elle va me tuer aujourd'hui. Elle va me tuer aujourd'hui, Rosanna. Qu'est-ce regarde, que tu il y a des pierres ici. Prends celle-ci. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Prends ça, non? Rosanna. Là, s'il te plaît, doucement, hein? Doucement. Doucement, oh. Espèce d'imbécile! Toi! Qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Hein? Akachi! Viens ici! Akachi! Qu'est-ce que tu as fait, mon frère? J'ai été mort aujourd'hui. Mais Akachi, qu'est-ce que tu veux? Attends, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Akachi! Akachi! Hein? Akachi! Lâche-moi! Lâche-moi, Akachi! Akachi, lâche-moi, je t'ai dit! Tu es venu me frapper! Lâche-moi! Hein? Akachi, c'est vous! Akachi, c'est vous! Attends! Je vais venir ici! Je vais te demander aujourd'hui, moi et toi! Akachi! Regarde ici! Akachi! Venez, non? Viens ici! N'importe quoi! Ça, c'est juste la première partie. Il y aura aussi la seconde partie, ne vous inquiétez pas. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Hein? Je vais bien te morceler. Tu vas voir. Je peux même t'empoisonner comme ça, tu meurs, je laisse mon frère tranquille. Espèce d'imbécile. Akachi. Maman. Ne me dis pas que tu viens de te battre avec la femme de ton frère. Avec cette grossesse. Bien sûr, je suis enceinte. Suis-je malade? Je peux pas rester ici comme une inapte et regarder cette folle blague avec mon frère. Non, jamais. Hey! Tu viens à peine de te battre avec ma Zozemuna. Après, tu allais te battre avec la femme de ton frère. Je suis certaine que tu l'as suivi jusque dans sa boutique. Hein? Tu risquerais de tout disperser dans cet exactement, endroit. Exactement, maman. Maman, écoute-moi bien, maman. Oui, j'ai tout dispersé. J'ai vraiment tout bousillé. Maman, et je vais envoyer mes dents pour une mission sous son corps. J'ai mangé sa chair. Hey, Akachi, tu es un vampire. Maman, une cannibale. Il mange aussi la chair humaine. Ferme-la. Écoute, j'ai pas le temps pour toi maintenant. Akachi, quand est-ce que tu arrêteras de te battre avec les gens? Tu n'arrêteras de me battre avec ces villageois. Quand est-ce que tu arrêteras de te battre avec les gens dans ces villages? Ils arrêteront de me provoquer. Hein? Mon mari, est-ce que ça va? Non. Chérie, pourquoi ce visage? Nana. Eh ben, la nina, n'y a quoi? Igwe est finalement mort. Hey, maman. Akachi, mais tchonou. Maman, arrête de pleurer. Maman, arrête de pleurer, maman, s'il te plaît, maman. Igwe est parti. Mais tchonou, Igwe, maman. C'est seulement la foudre. Seulement la foudre qui va frapper cet idiot. Ce garçon qui est venu me dire que ma folle femme enceinte est en train de bagarrer. Hey, mais il avait bien fait, non? Donc, tu voulais qu'il me tue, c'est ça? Et ton futur enfant? Il a bien fait. Il a bien fait, c'est ça? Oui. Ah, c'est quoi ça? Ok, me voici. J'ai été renvoyé. Eh ouais! Mon avis, laisse mon habit tranquille. Eh ouais! Maintenant tu dis eh ouais! Eh ouais! Tu vois ton eh ouais! Eh ouais là non! Quand la fée va te frapper dans cette maison? Quand la fée va te frapper dans cette maison? Ton eh ouais là changera eh oui! Ah non, 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 non! Il ne peut pas chasser mon mari comme ça! Non, 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 c'est pas possible! Non, 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 non! Mais il est viré pour de vrai, non? Regardez-moi celle-là! Regardez-moi celle-là! Ah, c'est ça que tu vas éveiller ta conscience! À cause de ça! Maman, il a fait la vie frappée! Maman, ça sent qu'on a vu ton mari! Maman, je vais voir avec toi, Akachi! Maman, non, non, non! Eh, mais qui aimait-moi? Là, viens ici! Ara! Espèce d'imbécile! Tu ne manques pas de sens! Le quagou! Maman, laisse-moi! La bagarreuse, c'est ce que tu es! Maman, je refuse, laisse-moi tranquille! On a putain là! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc c'est vrai. Hein? Que s'est-il passé ici? Je te parle. Hé, hey, n'essaie plus jamais de me toucher. N'essaie plus jamais de poser tes sales mains sur moi. Si tu oses me faire la foudre, elle va s'abattre sur toi. Ne me touche plus jamais. Donc tu avais envoyé ta soeur pour qu'elle vienne me frapper. Regarde ce qu'elle a fait à mon shop. Elle a tout saccagé. Juste, regarde. Oh, c'est toi qui l'as envoyé, je le sais, c'est ma toi soeur, comment
Comment pourrais-je envoyer ma soeur? Tu as envoyé ta soeur, arrête de nier. Donc Akachi est venu battre ma femme à sec. Je ne peux même pas imaginer. Tu as vu ça? Tu ne me fais pas tolérer ça, jamais. Ok. Oui, oui. Rosie, Rosie. Rosie, il faut vraiment que tu te reprennes là. Hein? Pourquoi n'as-tu pas utilisé l'un de tes trucs ici pour lui frapper sur la tête? Hein? Juste pour lui faire taire un peu. Regarde-toi un peu, ma Rose. Tu sais quoi, Ejike? Juste suis ton ami. Pars, va-t'en. Rosie, il est parti. J'ai dit va-t'en. Mais il est parti, non? J'ai dit pars. Baby, je ne puis attendre. Une fois que nos plans sont bons, nous partirons de ce pays en tout cas. Bien sûr, c'est pourquoi tu dois bosser dur. Et mettre de côté assez de fric pour cette inutile compagnie de princesses. Tu sais qu'elle t'aime et elle fera tout pour toi. Ouais, je sais. Sois intelligent. Ouais, je sais qu'elle m'aime, mais moi, je ne l'aime pas du tout. Je ne fais que l'utiliser. Mais je pense qu'elle commence à apprécier ce... Elle commence à aimer son chauffeur. Onyeka. Oui, chérie. C'est son affaire. En quoi cela nous concerne? Une autre chose, nous devons faire très attention avant qu'elle ne nous suspecte avec tout ce que nous sommes en train de faire ici. Oui, tu as raison. Faisons-le alors, très vite. Ok, tu l'auras ce soir. Aujourd'hui, je te les donnerai. Je ne puis attendre. Doubles. Je ne puis tu attendre. Auras les doubles. Non, ne me fais pas attendre. Comment oses-tu? Hein? Es-tu stupide? Désolée. Je suis désolée. Tu veux que ta stupidité puisse affecter cette compagnie? Désolée, monsieur. Désolée. Prends cette farde et va-t'en d'ici. Sors tout de suite de mon bureau avant que je fasse quoi que ce soit de stupide. Désolée, monsieur. Chérie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bébé, Annabelle est incompétente. Je te l'ai dit, mais tu n'as toujours pas voulu m'écouter. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regarde un peu par toi-même. Regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a remis les mauvais documents que je suis censé normalement remettre à la compagnie du pétrole. Quoi? J'ai totalement raté ma présentation d'aujourd'hui à cause d'elle. Seigneur, mais comment est-ce qu'elle peut faire ce genre d'erreur? Annabelle, Annabelle! Oh, c'est pas bien. Je suis désolée, maman. Je suis désolée, monsieur. Tu vas bien? As-tu besoin des repos du genre un congé sabbatique qui va te permettre de non, te calmer? Non, ma princesse, j'assume toutes mes responsabilités et mes erreurs. Je ne le répéterai plus. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi à supplier monsieur Joe pour qu'il ne fasse par rapport au roi. Je ne vais pas faire mon boulot. C'est bon, juste, tu peux partir. Merci. Désolée, monsieur. Mon amour. Allez, bébé, calme-toi, ça va. C'est juste ce que ça peut causer à cette compagnie? Ton père va penser que nous sommes incompétents. Non, nous n'avons pas besoin d'informer mon père. Nous pouvons le gérer. Allez, calme-toi, ok? À propos, je dois te parler de quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je veux que tu ailles parler à mon père. Au sujet d'Onyeka, il a vraiment besoin de ses travaux. Oh, je t'en prie. Peux-tu arrêter ça? Laisse-moi au moins en finir avec ce stress là. Ok, d'accord, c'est bon. Juste apaise-toi. Prends tout ton temps, on en parlera plus tard. Essaie de te calmer, d'accord? Calme-toi, non? S'il te plaît, hein? Tu as servi cette famille royale avec tout ce que tu avais. T'inquiète. Le roi fera que tu regardes ton boulot, t'inquiète. Excusez. Hé, Akachi. C'est bien de te voir ici. Onyeka, c'est bon de trouver deux ici. Donc Akachi, c'est ça. C'est ça. Donc t'as eu le culot pour aller battre ma femme. Hein? À ta boutique et détruire ses marchandises. Qui t'a donné la témérité d'aller faire ça? Chérie, parlons avant que je ne puisse oublier. Attends. Alors, calme-toi. Le roi fera que tu regardes ton boulot, hein, chérie? Ça ira. Alors calme-toi. Tu vas regarder ton boulot, hein, chérie? Attends, Akachi. Donc tu me snobes. Hein? Tu me snobes. C'est un animal qui est ici. C'est un titan qui est ici. Ce n'est pas un être humain qui te parle. Je suis venu pour... Écoute, Onyeka, ta femme est allée battre ma femme à sa boutique. Je lui parle et elle me snobe, moi. Son frère unique. Attends, hein? Est-ce que tu es allé dans sa boutique pour frapper sa femme? Hein? Est-ce que tu as frappé la femme enceinte? Tu oui, as même tout saccagé. Oui, oh. J'avais fait plus. C'était pour lui montrer que je vais faire encore plus. Hein? Jusqu'à ce qu'elle arrête de frapper cette femme, oui, celle qui est devant moi ici. J'allais faire plus dans sa boutique là. Moi, une femme. Ah oui. Tu m'appelles femme. Tu as bien entendu. Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Akachi, est-ce que c'est la main de Dieu ou la main du diable?
Que quelqu'un me réponde. Une main pure du diable. C'est faux. Une main pure du diable. Aka ou Aka et Kouensou, c'est ce qu'elle est. Je ne sais pas pourquoi Dieu me t'a donné comme une sœur. Dieu. Pourquoi Dieu te m'a donné? Pourquoi Dieu me t'a donné comme une sœur? C'est quoi tout ceci? Écoute, laisse-moi te dire. Oh. Va prier. Va vite prier. Pour que, avant que je n'aille à la maison, le bébé bouge bien. Sinon, tu me détesteras. Tu ne me diras pas ce que je te fais. Tu ne l'aimeras pas. Toi et ta sorcière là. Je le répète encore, toi et ta sorcière de femme. Vous n'allez pas m'avoir, je vous rassure. Mon frère. Ne sois pas ignorant, tu me connais bien. Mon frère, Onyeka, s'il te plaît, je suis désolé de ce qui s'est arrivé. C'est-à-dire quoi? D'accord, mon frère. Je vais m'assurer que rien n'arrive à ton futur bébé. Assure-toi. Biko. Assure-toi. Et fais quelque chose vite, Biko. On ne dit pas désolé comme ça. Hein? Comment juste dire désolé? Si quelque chose est arrivé à mon bébé, c'est désolé qui va le résoudre. Hein? Écoute, Akachi, laisse-moi te dire, désormais, je ne veux plus te voir dans ma maison. Quelle partie? Tu es marié, reste sur place. Eh, mais les guillemets, que veut dire tout ça? Regarde, je suis venu dans ta maison, tu ne m'as même pas offert à m'asseoir. Ça va, pas tu n'as rien à faire. Ton beau-frère, ta femme est ici, mais surtout, après avoir détruit les choses, écoute, préviens là-haut. Préviens là, c'est donner naissance à son bébé dans son ventre, protège-le, sinon je vais le kidnapper. Tu ne me feras rien, toi. Ça, ou, si ta femme continue à te frapper, je vais aussi continuer à la frapper tous les jours. Je te préviens, je te préviens. Tu n'es qu'un lâche, je n'ai pas honte. D'accord. Tu dois avoir honte. Tu dois vraiment avoir honte. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Agini. N'est-ce pas celui qu'on appelle mon petit frère? Hein? Il est venu me reprocher parce que j'ai frappé sa soi-disant femme. Akatsuku. Maman. Akatsuku. Maman. C'est Dieu qui peut te délivrer de cette maladie de bazar que tu as. Amen. Et mes gars là. Maman, sois d'abord calme. Hein. Viens d'abord ici. Hein. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dis-moi. Allez, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, hein? Non. Avec tous les troubles que tu es en train de me causer ici. Hein? Elle se croit plus sage. C'est pas vrai. Tu es un vrai acteur. Et tu as bien joué. Parfaitement bien d'ailleurs. Excuse-moi si j'étais un peu fort. Tu sais, de toute façon, j'ai eu peur. Genre, c'est pas vrai. Regardez cet homme. Il reste moi. Bébé, franchement, t'es un bon acteur. Toi aussi, tu avais bien joué en tout cas. Tu t'es échappé belle. Alors où est-ce que je te fais la bise? On le fait là. Ok. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas, oh. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas, oh. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas, oh. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas, oh. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh. Bonjour, mon roi, ma reine et ma jolie princesse. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Akachua Djukwanwuka. Je suis la jolie femme de Onyeka, le chauffeur de la princesse. Quelle stupidité! Est-ce pour ça que tu as ce placard tout en faisant du bruit? Quel est ton problème? Mon roi, je suis une femme enceinte. Je suis sans aide. Je n'ai pas de travail. Je dépends du salaire de mon mari, mais vous l'avez chassé. Alors permettez-le de venir travailler avant que le pire n'arrive. Quoi? Quelle impulsion! Non, laisse-la parler. Qu'elle raconte ses bêtises. Garde, j'étais là dehors avant que je... Non, 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 arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Papa! Arrêtez! Vous ne me connaissez pas, oh! Vous ne me connaissez pas! Osez seulement me toucher, vous allez voir! Osez me toucher seulement, vous allez voir! C'est quoi ça? Arrêtez! S'il y a d'autres, vous la touchent à nouveau, vous verrez ce que je vous ferai! Tuez! Vous ne me connaissez pas, oh! Écoute-moi, nous pouvons résoudre ces problèmes dans l'amiable. Cette femme que tu vois là, elle est enceinte! Mon roi, si quelqu'un frappe votre femme, allez-vous le regarder comme ça? N'allez-vous pas vous battre? Alors, mettez-vous à la place de mon mari. Ayez un peu la conscience. Akachi, je t'en prie, calme-toi.
pourquoi ne pas rentrer chez toi et puis je vais causer avec mon père. Nous allons résoudre ces problèmes dans l'amiable. Princesse, c'est faux. Je ne bougerai pas d'ici. Attendez, je vais m'asseoir ici jusqu'à ce que vous allez me trouver la solution. C'est bien clair, on n'a mis point à ses services, on n'a plus besoin de lui. Est-ce un crime de décharger quelqu'un de ses responsabilités ou d'annuler un contrat? Je n'ai jamais dit que je n'avais plus besoin de service d'Onyeka. Maman, c'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as dramatisé cette affaire. Papa, regarde cette femme, elle est enceinte. Trouvons un moyen pour résoudre ses problèmes calmement. S'il te plaît. Jeune femme, sors d'ici avant que je ne perde de pédale. Mon roi, je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas d'ici. Je m'en fous de tout, je ne bougerai pas d'ici. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, oh. Papa. Maman. Je vous en prie, cette pauvre femme est enceinte. Nous savons tous qu'Onyeka est une bonne personne. Pourquoi cette insistance? Pourquoi? La ferme. Ferme cette chose que tu appelles bouche. Il a envoyé sa femme pour faire ce show. Hein? Comment ose-t-il? Maman, s'il te plaît. Papa, je t'en prie, papa, mets un terme à ces problèmes. Cette femme que je viens de voir dehors est très déterminée. Elle ne quittera pas ses palais si son problème n'est pas décompté. Bien, c'est très bien. Alors, elle peut y rester comme bon lui semble. Est-elle la seule femme à être enceinte? Oh, allez, s'il te plaît. Entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que tu te déshabilles et que tu t'approches de moi. Que je me déshabille? Oui, déshabille-toi. Ah, ma reine. Comment puis-je me déshabiller devant vous et me coucher sur le même lit que vous? Vous êtes ma reine et ce n'est pas juste, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas juste, je ne peux pas penser d'une telle chose de vous. Ça ne se fait nulle part. Onyeka. Je ne t'ai pas amené dans cet hôtel pour que tu commences à me prêcher. Tu sais que ton roi est devenu faible et n'arrive plus à me satisfaire. Je t'ai personnellement employé pour ça. Et tu dois, je dis bien, tu dois m'être soumis. En tant que ma reine, je ne peux pas faire ça. Comment pouvez-vous me dire que je dois? Ce n'est pas possible, non? Vous devez savoir que je suis un homme marié et j'aime ma femme. Et je ne peux pas partager son bien avec une autre personne. Madame. Je vois. Sors. Merci. Et ferme la porte derrière toi. Je le ferai. Fou. Je peux avoir mon sac? Merci. Encore une chose. Si le roi apprenait ce qui s'est passé aujourd'hui, crois-moi, je vais te brûler vif. Ma reine, personne n'en entendra parler. Très bien. Tu es mon ennemi pire dans ce palais. Fais très attention avec moi. Pars. Merci. N'importe quoi. Je sais que la reine est derrière tout ceci. Salut, princesse. Allô, Onyeka, comment tu vas? D'accord, c'est bon. As-tu envoyé ta femme ici, au palais? Mais non, je ne l'ai pas envoyée. Elle est au palais en ce moment? D'accord. J'arrive. Je serai là. J'arrive.
Akachi. Oui. Akachi. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu es venu juste comme ça? Tu n'as pas emmené un papier de revendication? Akachi, qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu pour manifester dans le palais? As-tu perdu la tête? Ne m'insulte pas. Je le fais pour toi. Fais quoi pour moi? Tu le sais très bien. Ma princesse. Ne connais-tu pas tes droits? Mais c'est quoi? Tu ne sais pas protester? Akachi, je t'avais demandé de rentrer à la maison. J'avais causé avec mes parents et ton problème sera résolu. Yo, c'est quoi? Inaudio, n'importe quoi. Ma princesse, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut la pardonner. Tu vois son état-ci? Ça l'affecte. S'il te plaît, je vais gérer ça. Je vais m'occuper de ça. D'accord? Ouais. Lève-toi et quittons d'ici. Lève-toi maintenant. Je refuse. Je ne partirai pas avec toi. Si tu veux, rentre toi-même à la maison. Je vais te suivre. Pourquoi tu n'écoutes pas ton mari? Hein? Écoute, quitte-ci. Va chez tes parents. Va leur parler, sinon je vais commencer à faire les désordres ici. Écoute, vite, hein? Madame, je ne veux plus travailler ici. Je ne veux plus travailler ici, donc allons à la maison. Tu dois reprendre ton travail. Tu dois le faire. Hey! Akachi. Akachi. Mmh? Écoute ce que je te dis, Akachi. Écoute ce que je te dis, Akachi. Je n'accepterai pas, oh, je n'accepterai pas. Mon bébé, oh, mon bébé. Mon bébé, mon bébé. Oh, mon bébé. Ouais, je suis heureux que tu sois revenu. Mais attends. Dieu merci, tu ne dégages pas l'odeur de la viande de chien. Ta mère verra de quel bois je me chauffe. Dieu merci, tu ne dégages pas ça. C'est bien. Ça, c'est très bien. N'es-tu pas content que tu sois revenu? Hein? Hein, mon bébé? Tu n'es pas content que tu sois revenu? Tu es contente? Hein? Tu es contente? Il est clair qu'on t'a donné l'eau de la viande de chien. Ma femme, écoute. J'ai parlé à ma soeur. Je l'ai prévenu de ne plus te parler n'importe comment. Elle ne va plus te parler n'importe comment. Obiora. Mmh. Laisse-moi tranquille, Obiora. Fiche-moi la paix. Qu'y a-t-il maintenant? Je te parlais, tu m'ignores. Pourquoi ne dois-je pas t'ignorer? Enfin, tu as vu ta fille. Elle est revenue. Je peux mettre son entrée à la maison? Laisse-moi tranquille. Obiora, laisse-moi tranquille. Tu fais trop gras. Oh. Tu sais gras que tu fais. Même tu es enceinte et tu fais encore gras. As-tu toujours fait gras? Obi. Calme-toi un peu. Obiora. Hein? Obiora. Je suis content qu'elle ne dégage pas l'odeur de la viande de chien. Donc tu es en sécurité maintenant. Hein? Tu es en sécurité. Colle-moi la paix. Tu vas à l'intérieur. Pas de problème, va dormir. Et toi, suis ta main pour aller dormir. Tima, où est ton frère et sa femme? Je ne sais pas où. Peut-être qu'ils sont allés faire les 100 pas. Suis-je leur gardienne? Commence à faire les repas du soir. Je vais aller chercher les légumes au jardin. D'accord, maman. Que je ne te trouve pas là en train de traîner le pas. Maman, j'arrive. Tu m'as bien entendu. J'arrive. Ah. Je n'ai pas du temps. Oh. J'ai besoin d'eau. Je suis très fatiguée. Apportez-lui de l'eau. Faites vite. S'il te plaît, Onyeka. Ne la brutalise pas, s'il te plaît. Je reviens. As-tu entendu? Ne la brutalise pas. Tu dois exécuter. Tu me cherches. Tu es obligé. Tu me cherches. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Après maintenant, tu me diras que tu as mal au dos. Quel est ton problème? Papa, je t'en prie. Ne néglige pas cette pauvre femme enceinte. Elle est là-bas dehors depuis longtemps. Ça, ce n'est pas l'affaire de ton père. Elle peut rester là toute une décennie. On s'en fiche. Maman. Oui. Pourquoi tu te donnes de la peine pour elle? Son mari t'a manqué de respect et a mis ta vie en danger. Ne le comprends-tu pas? Maman, je t'en prie, arrête ça, s'il te plaît. Onyek a déjà appris la leçon. Hé. Hey.
papa, s'il te plaît, pour l'amour du bébé qu'elle a dans le ventre, aie pitié d'eux, papa. Princesse. Oui, papa. Appelle-moi Onyeka. D'accord, papa. Ah, chérie, j'en ai encore besoin. Tu as besoin de quoi? Madame, respecte-toi. Hein? Tu iras bientôt boire l'eau de la piscine. Il n'y a pas de problème, je vais bien le boire. Je porte ton bébé, il va boire de l'eau sale. Va te reposer à la maison, moi je vais étaler ici pour dormir. Je ne peux pas faire cela. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne bougerai pas aussi d'ici aujourd'hui. Quittons cet endroit. Onyeka, le roi exige ta présence. C'est une bonne chose. Pourquoi? Mais écoute, je pense qu'il ne se mettra plus en colère contre moi. Parce que je ne suis pas pour. Je n'ai pas demandé à ma femme de venir manifester. Non, c'est pas ça. Juste viens avec moi. Pas vraiment. Allez, vas-y. On y va. T'es un peureux. Avance vite. Vas-y. Fais attention. Tu vois maintenant? Je t'avais dit. Vous voyez? Je l'avais dit. Ça va marcher. Reviens avec une bonne nouvelle, oh. Sinon, je vais tout abîmer ici. Hein? Igwe. Onyeka. Igwe. Je me souviens d'un jour vers 01, quand ma fille était gravement malade et devrait être emmenée à l'hôpital. Nous t'avions appelé et tu avais pris le risque de quitter de chez toi jusqu'ici au palais, juste pour l'emmener à l'hôpital. Je me souviens de tes bons services. Merci, Igwe. Merci. Tu vas reprendre le travail demain. Hein? Rentre pour te préparer. Igwe, vous êtes sérieux? Oui. Hey, Igwe, merci. Longue vie à vous. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Longue vie à vous. Hey. Tu peux t'en aller. Vainqueur, oh, je suis vainqueur avec Jésus. Vainqueur, oh, je suis vainqueur, oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Les chiens te regardent, non? Qu'est-ce qu'il y a? Mais allons à la maison et cesse de chanter. Est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Oui, oh, je dois le faire comme je veux. Laisse-moi, oh, laisse-moi célébrer ma victoire en paix. Qu'est-ce qu'il y a, hein? J'ai vaincu ou pas, dis-moi. Mais quand on sera à la maison, dis-moi, tu peux... Dis-moi, ai-je vaincu ou pas? Écoute. J'ai vaincu. Est-ce qu'on peut entrer et célébrer cela, s'il te plaît? Ok. Vainqueur, oh, vainqueur, je suis vainqueur, oh, vainqueur. Oh, don't ever fail, joke with the ones I love. Oh, you have me to contend with, yeah. And I will still choose you. Even in my next life, cause you're my angel. And I will still love you, even in my next world, cause you're my angel. Il faut manger. Tu ne sais pas ce que tu m'as apporté. Mm-hmm. Tu mérites toutes les bonnes choses dans cette vie. Mm-hmm. Ce que tu manges là, ça, ce n'est rien. Mm-hmm. Je dis bien ça, ce n'est rien. N'est-ce pas que je t'avais dit ça? Tu me l'as dit. Ça, non? Le roi va t'appeler. Tu vas reprendre ton travail. Ne l'a-t-il pas fait? Il l'a fait. Mm-hmm. Tu sais, la vérité est que, tu vois, quand nous étions là-bas, mm-hmm. j'étais effrayé jusqu'à la moelle. Je te jure, j'étais vraiment effrayé. Je ne savais même pas que c'était moi. Tu avais manqué ma chaleur. À mon arrivée, les gardes étaient là. Et le roi leur avait demandé de me mettre dehors. J'avais fait mon travail. Tu l'as fait? J'avais repoussé le premier et le deuxième. Tu es sérieuse là? Ils avaient donné hein? des choses sur leurs mains. Je ne suis pas n'importe qui. Ils avaient vu de quel bois je m'échauffe. Ok, nickel. J'avais donné au deuxième la tête. Ok. K.O. Je te dis. Tu sais quoi? Après tout ça, le roi était parti dans les silences. Il ne voulait pas que je voie son visage rempli de honte. Il n'était plus. Il ne reviendra pas. Je sais ce que tu peux faire. Exactement. Merci. Mm-hmm, c'est je bon. Dois te remercier parce que tu m'as fait un travail noble. Vraiment. Hey! Agouin, mmh? si ça ne te suffit pas, je retourne vers la marmite. Mange bien pour moi. Hey! Mange bien pour hey! Moi. Tu mérites plus que ça même. Hey! Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que vous étiez tous Maman, deux? La bonne nouvelle est que ma femme a réussi à obliger le roi à me donner à nouveau mon travail. Tu crois que dalle, ma femme? Hein? Maman? Je suis très contente pour toi. Agouin. Hey. Laisse-moi te servir le jus. Hey. Hein? Hey. Tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Ma chère et magnifique femme. Oh. Maman, est-ce que tu réalises combien tu es méchant quand il s'agit de prendre une décision? Comment tu peux te permettre ce genre de choses? J'étais vraiment stupide de suivre tes conseils à la première fois. N'as-tu pas de conscience?
sa femme est enceinte et elle est venue me troubler ici au palais. N'étais-tu pas là? Oh, s'il te plaît, épargne-moi de tout ça. Oh, laisse-moi te dire, tu es tellement imbu de toi-même. N'importe quoi. S'il faudrait que je le reprenne, je le referai encore et encore. Comme tu le veux. Je vais étrangler ces gars dans mes propres mains. Tu ne feras jamais rien de tel. Et ne compte pas sur moi pour soutenir ta méchanceté. Qui a besoin de ton soutien? J'en ai pas du tout besoin. Tu peux le garder pour toi-même. Hé! Hey. Oh, bye-bye! Bonjour! Qu'y a-t-il de bon ce jour? J'ai pas besoin de ta salutation. Oh, Gizime, pourquoi tu cries sur moi? Oh! Tu me fais ça parce que j'avais frappé ta femme? Je le ferai encore, encore et encore. S'il te plaît, je suis venue pour que tu m'accompagnes chez nous à la maison. Je te l'avais dit avant et je te le répète. Ma mienne, je te l'avais dit. Va trouver un autre quelqu'un dehors là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont quelqu'un dans ce village. Je ne suis pas le seul. Ou mieux, dis à ton mari de t'amener au village maternel avec la voiture de Hibou. Oh, Bura, je suis ta seule sœur, oh. C'est mon unique quelqu'un. Si tu es ma sœur unique, c'est aussi mon unique quelqu'un. Je n'ai plus d'autre quelqu'un nulle part. Non, s'il te plaît. Je t'en prie, oh, mon frère. Obi. J'ai dit que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Laisse-moi entrer. Qu'y a-t-il? Vas-tu? Oh, fais-moi passer, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? C'est quoi? Pour qui te prends-tu? Accompagne-moi, c'est quoi ça avec toi, hein? Oh, s'il te plaît. Commandant en chef de mon caca. Non, tu es le commandant en chef de mon caca. Est-ce que c'est forcé? Écoute, laisse-moi te dire. Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Va chez ton mari. Arrête-moi ça. Va chez ton mari. J'ai aussi une femme enceinte à la maison. Ne me fais pas du chantage avec la. Oh, Dora, allons-y, non? Mamie, je veux rester ici. Épouse le caca. Oh. Hein? Donne-moi alors les contacts, je vais conduire moi-même. Penses-tu que je ne saurais pas le faire? D'accord, laisse-moi te pour qui conduire. Te prends-tu, dis-moi? Hein? N'as-tu même pas honte? Hein? Tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte. Viens, si tu refuses, donne-moi le contact. Je vais conduire. Pour qui? Regarde-moi ce garçon. Ah ah! Éduqué. Cette viande de chien est très délicieuse que celle que tu me portes d'habitude. C'est très bon. Je savais que tu allais apprécier ça. C'est l'une de mes préférées d'ailleurs. Ouais. Quoi qu'il en soit, mange avec moi. Non, allez, c'est bon ça. Toi, allez, prends avec tes mains. J'ai pas envie que quelqu'un nous aperçoive. Serre-toi. Ah, laisse-moi. Bon, je vais juste prendre ça. Vas-y, mange. N'est-ce pas que c'est toi qui me l'as. Mange. Il n'y a rien de mal dedans. Vas-y, mange. Je sais bien que c'est moi. Je sais. Comment vont les affaires? Ça va. Comme tu peux le voir, on se débrouille. Rosie. Quoi? Rosie. Tu me manques, tu sais. Allez, baisse d'un ton. Tu veux que les gens entendent ce que tu es en train de dire, que la femme de quelqu'un d'autre te manque? Mais personne n'y va. Bon, ok. Je vais me taire. Je ne vais plus parler, si c'est bon. C'est parfait. Cette viande est très bonne. Tu sais, depuis que tu es tombée enceinte, je n'ai pas cessé de te voir. Tu es toujours là en train de... Laisse-moi. Hein? Mon mari est déjà revenu. Il ne travaille plus à la compagnie qu'il travaillait avant. Hein? Mais son avec mon village tout le temps. Il me surveille à tout moment. Hein? Donc, arrête-moi ces bêtises. Éduqué, je crois qu'il est temps pour toi de se marier. Quoi? Je ne veux pas entendre ça. Tu ferais mieux d'aller te trouver une femme. Trouve-toi une femme, tu ne rajeunis pas. Tu prends de l'âge. Trouve-toi une femme. J'en veux plus. Vas-y, j'en mange. Veux plus. J'ai beaucoup mangé. Je n'en veux plus. Vas-y, mange. Bonjour, ma reine. Hé, hey, fou. Qui t'a autorisé de te mettre sur mon fauteuil? Je suis désolé. Tant mieux. N'importe quoi. Maman. Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Onika, tu es prêt? Ouais. Je crois que tu as bien passé ta nuit. Oui, maman. Écoute, je dois faire vite. Je suis en retard. Je dois vite courir. Il n'y a pas de quoi. À plus, maman. Bonne journée. D'accord, on y va, Onika. Sois sage. À plus, maman.
par là. Merci. Je t'en prie. Pourquoi tout est en désordre? Donc, cela veut dire qu'Annabelle n'est pas encore venue? Allô, Annabelle? Oui, ma princesse. Ma princesse, je suis vraiment désolée. J'avais fait une crise la nuit. Oui, c'est très sérieux. Je suis tellement faible que je n'arrive même pas à bouger mes pieds. Oui, ma princesse. Oui, je prends les médicaments. Oui. Ah, merci, ma princesse. Merci beaucoup. Bye. Ah! T'es une vraie malade, toi! Quelle bad girl! Non, sérieux, t'es une bad girl, toi. Fais-moi confiance. Ah? Nous avons toute une journée pour nous deux. Pas du tout. Tu sais très bien qu'elle va m'appeler. Ah. Tu verras. Hein? Allô, bébé? Ouais, comment ça va? Ouais, je m'habille pour arriver au boulot. Je verrai ça une fois là-bas. Ouais, je t'aime. Tu me manques aussi. D'accord. Ouais. Je t'avais dit qu'elle m'appelait. Oh, allez. Comment tu peux l'appeler bébé à ma présence? Et tu dis que tu l'aimes. Ah, tu es en train de m'ignorer. Ça veut dire quoi ça? Ah, mon amour, tu sais très bien que ce n'est qu'un jeu, non? Hmm? Tu es celle que j'aime et pas elle. Hmm? On veut juste l'argent. Parlons de l'argent. Quand est-ce que tu vas aller lui dire? T'en fais pas, j'ai mes plans. Une fois que c'est l'heure. Ne l'appelle plus bébé à ma présence. Ah, ok, je ne le ferai plus. Tu sais bien que mais je ce n'est qu'un jeu, non? Tu sais que je ne l'aime pas. Onik, écoute, je sais que ma mère n'est pas d'accord du fait que tu as repris le boulot. Mais t'inquiète-toi, ok? Elle finira par s'y faire. Ma princesse, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour le rôle que tu as joué dans cette affaire. Merci beaucoup. C'est pas grave. C'est bon. Merci beaucoup. Hey, bébé? Donc tu as finalement réussi à convaincre ton père de faire venir ce type? Mais où est le problème alors? C'est ça le problème même. Mais tu cries. Excuse-moi. Bébé? Bébé? Attends-moi, il fallait attendre que je t'emmène dans la maison maternelle, n'importe quoi. Je suis ton mari. Chineke. Hey! Akachi. Qui aurait été gonflement pour nous si ce n'est pas Akachi? C'est ce qu'a fait Akachi. Akachi a dégonflé pour nous afin que je n'aille pas au travail. Hein? Quel est ce problème au juste? Quel est ce problème? Quel est ce genre de personne même dans notre famille? Dieu, pourquoi tu m'as donné ta main gauche? Hein? Pourquoi tu m'as donné ta main gauche en tant que ma soeur? Parce que tout ce qui se passe ne prouve pas que ma soeur est ta main. Akachi, non. C'est plutôt ton pied. C'est ton pied. Peux-tu t'imaginer maintenant? Donc que je n'aille pas au travail. D'accord. Pour que soit son mari aujourd'hui, je dois la rapporter. Je dois la rapporter à son mari. Sinon, je vais la nier pour être ma soeur. C'est quoi tout ceci? N'importe quoi. Je vais aller voir son mari. Peux-tu t'imaginer? Hein? Est-ce qu'elle sait combien coûte un poney? Qui est-ce qui fait ça? T'inquiète, tu me sentiras aujourd'hui. Tu verras. Que veut dire tout ça? Non, sérieusement.
tellement drôle. Je ne peux même pas imaginer ça. Tu sais que... Regarde comment est-ce que tu ris, comment est-ce que tu t'amuses. Akachi, qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce que c'est de pour? Akachi, qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu sur parquet? Que fais-tu ici? Ne puis-je pas venir voir la femme de mon ami? Oh! Hein? Mon frère, ton ami, tu mens. Regarde-toi. Attends, laisse-moi te demander. Hein. Veux-tu apprendre quelque chose auprès d'elle? Non, dis-moi, veux-tu ouvrir une brèche avec elle, espèce de bouc? Akachi, laisse-moi te rappeler. C'est moi que tu traites de bouc. Mazembakwe, 4 ans passés, tu couchais avec sa femme lorsqu'il partait au boulot. Oudjou, il y a de cela 2 ans passés, tu lui faisais la même chose lorsque son mari était à Dubaï. Alors, je ne serais pas surprise. Elle est toujours. La ferme! Je ne serais pas surprise si tu veux aussi le faire chez elle. Un homme éhonté, n'importe quoi. La ferme! Laisse-moi tranquille. Tu n'as même pas de sens, toi. Je n'ai fait que me dire pas. Hey, stop! Toi, donc c'est ce que tu fais avec toutes les femmes mariées. Non, mais tu vas la croire. Tu vas faire. Elle est-tu la ferme? Donc c'est ce que tu fais avec les femmes d'autres vivants. Tu vas vraiment la croire. Sors de chez moi. Va-t'en. Pars! Je ne veux plus te voir, va-t'en. Tu vas me supplier. Tu vas me supplier. Très bientôt, tu vas le faire. Tu supplier pourquoi? Jamais. Cette voiture a été réparée il n'y a pas longtemps, le mois passé. Ma princesse, t'inquiète pas, c'est un petit problème. Es-tu sûr que je ne dois pas appeler le mécanicien? Non, 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 c'est juste un petit problème. Je vais m'en charger. C'est la batterie. C'est la batterie, tu sais, ça se dissère en haut. Je vais arranger ça. Oui, quand tu me diras aujourd'hui, pourquoi elle a dégonflé le moment pour nous? C'est quoi ça, pour dire ça? Hein? Qui est-ce qui fait ça? Ma soeur, fauteuse de trop. Pourquoi ne pas dire Marivoa? Ah, ok. Non. Écoute, Mike, laisse-moi te Onowa. Dire. Mike Onowa. C'est pas vrai. Mon ami Mike Onowa. Qui est-ce qui est là? Du Jean. Regarde mon cet homme. Tous les deux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, viens par là. C'est pas vrai. Encore. Hein? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est ma patronne. Oui, c'est ça. Ouais. Toutes ces années, je ne savais pas. Où est-ce que tu étais? Eh bien, j'étais là. Mon Dieu tout puissant, j'ai encore vu aujourd'hui la princesse. Ouais, j'ai épousé sa sœur. Akachi est sa sœur? Ouais. Oui, tu sais, quand elle s'est présentée qu'elle était ta femme, je commençais à me demander par où est-ce que j'avais vu ses visages. Oui, c'est pour ça qu'elle adore ses pattes. Hey, regardez la princesse. Vous voyez? Princesse à deux bras. Abou Nabougo. Je suis très contente de te voir. Où est-ce que tu vas? Bien. Je ne vais pas dire là où j'allais. Hein? Obiora, prends mon numéro de téléphone chez Onyeka et rassure-toi de m'appeler. La voiture a démarré. C'est un peu compliqué. Peut-être qu'elle attendait qu'il y ait ta présence. Ma présence, je suis un faiseur de miracles. L'homme de miracles. Hey! Sois sûr que je vais m'appeler. Prends mon numéro chez Onyeka. Je t'appellerai. Je dois partir. Viens, laisse-moi te dire un peu avant de partir. Laisse ma patronne en paix. Laisse ma patronne. Laisse-la en paix. Tu ne vas pas comprendre. C'est mon beau-frère qui conduit la princesse. Et je ne savais pas. Quelle coïncidence. Tu veux dire que tu connais princesse Babra? C'est pas ce que tu penses. C'est pas juste connaître. C'est pas comme aller à la boutique et acheter quelque chose et sortir. En toute franchise, c'est plus que ce que l'on peut imaginer. À l'époque, au cours secondaire, elle était ma petite amie. Une petite amie très intime. C'est pas n'importe quelle petite amie. Très intime. Alors que s'est-il passé? Tu sais, lorsque notre mère était morte, on a quitté Calabar. On a perdu contact. Je ne savais pas que j'allais encore fixer mes yeux sur mon ancienne cour de maison. Je l'appelais cour de maison. Le monde est vraiment petit. Qu'est-ce que celui-ci fait ici? Hein? Qu'est-ce qu'il fait ici? Akati, Dieu merci, tu es là. Écoute encore. Je venais chez toi pour te rapporter ce qu'a fait Akachi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dégonfler le pneu de mon kéké. Allez, chez toi, dit, la es-tu ferme. Es-tu sérieux? Je souffrais. Attends, As-tu dégonflé le pneu de sa machine? Tu l'as fait? Je ne sais pas où. Es-tu la seule personne qui a des tuk-tuk ici dans ce village? Écoute, j'étais partie et je suis revenue. Tu m'as aussi bien vue. Ouais. Akachi, qu'on change. Akachi, qu'on change. Changer quoi? Même si tu veux changer de billet en jeton, change. N'importe quoi. Change. Je te
te le dis maintenant, change. Rouhane. Parce que je ne t'ai pas emmené dans notre maison maternelle, tu allais te gonfler. Pourquoi m'avais-tu pas transporté? Tu vas me plonger dans la souffrance. Écoute, tu iras le réparer ou tu iras gonfler ce pneu. N'importe quoi. Entendu? Viens, tu ne m'as pas dit que ton mari travaille pour la princesse Babla. Tu parles de quelle princesse? La princesse, mon ancienne petite amie à l'époque à Calaba. La princesse Babra, non, au collège à l'époque, non. Attends. Tu parles des bonheurs, hein? Ah. C'est vrai? Oh, mon Dieu. Tu ne m'as jamais dit que tu travailles pour la princesse? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'ai dit, non? Je t'ai même mentionné son nom. Eh, ouais. Ma princesse, ma princesse. C'est vrai? Pourquoi ne m'avait-elle pas reconnue? Ai-je beaucoup changé? Dites-moi un peu. Hein, la vérité est que tu as beaucoup changé. Hein? Surtout avec cette grossesse. Tu es plus belle maintenant, je dois l'avouer. Ça, c'est vrai. Et tu sens que je suis plus belle maintenant? Arrête. Sais-tu que c'est mon frère qui l'avait défloré? Qui t'a demandé? Tu ne peux pas fermer chaque fois que tu ouvres ta bouche. T'as vraiment... Non. Est-ce que c'est vrai? Tu connais ta femme. Tu sais comment on n'a pas touché sa bouche avec son placenta. Hein? Radio sans batterie. Parlons de notre sujet. Attends. Hey, comment tu l'as su? Comment ne pas le savoir, non? J'étais plus proche de mon frère. Il m'avait dit le jour où il avait défloré. C'était d'ailleurs moi qui avais tout lavé. Ah oui, je te la vérité. J'avais tout nettoyé ce jour-là. Mon beau. Hey! Je pense qu'on doit changer de sujet pour changer de place. Vraiment? Eh hey, mon Dieu, et cet enfant aussi, à toi. Attends. Je vous en prie. Tu as fait cela? C'est toi qui es vivant, la princesse. Je vous en prie, arrêtez ça. Ok, ce que je disais, c'est de mon caca. Elle vient dans la conférence. Oga, oublie ça d'abord. Réponds à ma question. Bon après-midi. Qu'est-ce qu'il y a de bon cet après-midi? Edgy, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rosie, relax. Relax. Tu sais, la dernière fois que tu m'as chassé du show, je n'ai pas pu dormir, Rosie. Tu sais, la nuit dernière, je n'ai fait que penser. Je n'ai même pas pu dormir. Rosie, écoute-moi. Pardonne-moi, Rosie. Pardonne-moi pour mon passé. En fait, tout ce qu'elle avait dit là, c'était dans le passé. Totalement dans le passé. Edgy. Je suis un nouvel homme. Je suis un nouvel homme, Rosie. Crois-moi. Edgy. Je n'ai absolument rien à faire avec ton passé, ton présent, ton futur ou quoi que ce soit. Laisse-moi tranquille. Edgy, fiche-moi la paix. Rosie. Juste regarde-moi. Prends le temps de me regarder. Je suis enceinte de mon mari, ton meilleur ami. Fiche-moi la paix, Edgy. Rosie. Fiche-moi la paix. Ok. Ok. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Mais tu es toujours ici toute seule. Laisse-moi de temps en temps venir juste pour te visiter au shop. Je ne viendrai que pour m'asseoir avec toi, c'est tout. Je ne ferai que... Es-tu fou? Hein? N'as-tu donc pas remarqué que Akachi nous suspecte déjà? Je m'en fous. Les gens nous regardent, ils nous observent à tout moment. Je m'en fous. Fiche-moi la paix. Laisse-moi. Tu risques de me mettre dans les ombres et je ne veux pas. Reste loin de moi. Ok, mais écoute... Quand je viens et que je me reçois avec toi, après 5 minutes, fais ce que tu veux. Allez, lève-toi, quitte-la. J'ai dit, va-t'en, je prends vite. Chérie, devine qui j'ai vu hier. Qui? Devine, non, devine. Vas-y, devine, dis-moi, devine. Si tu n'as pas envie de parler, tu me laisses tranquille et tu t'étais. Ah, tu es trop agité. J'ai rencontré la princesse Babra. Princesse Babra? Mais qui est cette princesse? Mon ancienne petite amie au collège, à l'époque. Ma fille d'algèbre, ma petite amie de l'équation quadratique. Si tu la vois maintenant, très mirobolante, brillant comme le soleil matinal. Très délicieuse, intelligente et... Donc je dois t'acclamer parce que tu as rencontré une de tes ex-petites amies? Dis-moi que je t'acclame. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Oh, désolé, je ne le dirai plus. Désolé toi aussi. La Bayeresse était venue au shop aujourd'hui. Elle est venue faire quoi? Elle est venue faire ses cheveux? Non, elle était venue récupérer l'argent qui était resté. En quoi ça me concerne? C'est ta responsabilité. Donne-le lui, n'est-ce pas 3 000 seulement? Que je lui donne de l'argent? Mais je n'en ai pas.
Secourez-moi. Tu n'as pas d'argent. Tout ce temps que tu passes à la boutique, ne fais-tu pas des ventes? Ne fais-tu pas des cheveux? Celles dont tu fais les cheveux, sont-elles des esprits mauvais? Ne te paient-elles pas? S'il te plaît, moi aussi je n'en ai pas. Tu n'as pas d'argent, ouais, c'est ça? Ouais, elle ferme la boutique. Pourquoi es-tu si radin? Tu es tellement radin, tu ne partages pas ta main, il est dur comme du super glue. N'as-tu pas pingre-toi? Regarde-toi. Tu m'as donné un morceau de viande au lieu de deux. Hein? Ton mari, celui qui t'a épousé, tu lui as donné un morceau. Père de la famille. Donc un simple 3000 naira, tu n'en as pas. Et toi, allez, tu n'as pas deux morceaux de viande? Donne-moi ma nourriture, donne-moi ça. Laisse-moi finir celui-ci, un foufou. Un simple 3000 naira, tu n'arrives pas à me le donner. 3000 naira. Deux morceaux de viande, tu ne peux pas donner à ton mari. Tu n'as pas honte de toi. Je te donne 3000, moi. Je ne te les donnerai pas si tu ne me remets pas la somme de 3000 naira. Prends la soupe et je prends le foufou. Que veut dire ça, hein? Voyez-moi, c'est Igbo. Pourquoi tu me déranges? Laisse-moi tranquille. Pourquoi te laisser tranquille? Hein? Pourquoi te laisser tranquille? Si je te laisse tranquille, qui veux-tu que je tienne? Écoute, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Souviens-toi que le docteur a dit... Et qu'est-ce que le docteur a dit? Si je veux, je t'en donne. Si je ne veux pas, je ne t'en donne pas. C'est mon corps, hein? Si je t'en donne maintenant, tu n'endureras que 5 minutes et après tu descends. S'il te plaît, arrête de me déranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dérange pas. Je suis un homme Igbo, je ne suis pas un homme Kalaba. Tu veux que je passe 3 ans là-bas? Hein? C'est juste l'amour entre mari et femme, ce n'est pas un marathon. Hein? Que veux-tu dire pas dans 5 minutes, je descends? Veux-tu que je reste là-bas pendant 5 ans? Écoute, donne-moi ça, oh. Donne-moi ça, sinon tu ne vas pas dormir. Donne-moi ça, oh. J'en ai besoin cette nuit. Ça, c'est ton problème. Arrête donne-moi de me déranger, ça, oh. Laisse-moi dormir. Ah, que je te laisse ne me dérange dormir. Plus, laisse-moi dormir. Ne me refile pas la migraine. Donc tu veux que je sois Aaron? Que je sois Aaron et dormir comme ça? Quand j'ai une femme? Hein? Ne sais-tu pas que c'est dans cette condition que c'est plus doux? Regarde-moi ça. Je vais te violer, oh. Je vais te violer. Si c'est pas que c'est un garçon que tu portes, je te violerai, oh. Parce qu'il peut me pousser. Il peut me pousser. Que veut dire tout ceci? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez l'heure. Avant que le jour ne se lève, je ne connaîtrai plus ma condition. Hein? Je ne sais pas si je me réveillerai vivant. Si je rêve et tu vois que je le fais dans le rêve, tout ce qui en sort, c'est ta responsabilité, oh. Madame, tu dois me donner ça. Non, 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 non. Comment elle ne peut pas te donner 5 millions de naira? Non, 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 cette fille est avare. Bébé, essaie de te calmer. Elle a dit une semaine. Donnons-lui un peu de temps. Une autre semaine? Allez, elle ne fait que le tirer en longueur. Écoute, tu dois lui faire pression. Fais-le pression. Tu sais qu'elle t'aime. Profite de cette faiblesse. Obtiens cet argent, puis nous allons disparaître. Je sais, essaie de te calmer maintenant, hein? Elle a dit cette semaine, donnons-la lui, et si elle ne fait toujours rien, t'en fais pas, j'ai mon plan B. Oui, non? Tu ne me crois plus du tout? C'est quoi le plan B que tu as? Je t'aime. Ma princesse, j'ai réfléchi sur la proposition que tu m'avais faite la fois passée. Mais comment t'attends-tu à ce que je te donne juste 5 millions de naira pour que tu investisses dans la crypto ou quoi que ce soit? Je ne comprends pas du tout. Papa, j'ai besoin de cet argent. Je te le rembourserai, promis. Quand? Dans 6 mois, papa. Je vais te payer dans 6 mois, papa, et cela avec des intérêts. 1 million de naira d'intérêts. Non. Regarde. Tu es en train de gérer l'entreprise. Et cette entreprise est notre empire familial que nous construisons. Toute déviation doit être considérée comme une distraction. Et ce sera complètement inacceptable. Papa, tu deviens vraiment impossible. Veuillez m'excuser. Princesse. Chérie, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne lui donnes pas cet argent? Tu as plus que ça. Et elle a dit qu'elle te les rembourse avec intérêt. Pourquoi tu es aussi comme ça? Tu sais, des fois, tu me dépasses. Non. Je lui ai donné 2 millions de naira le mois passé. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait avec ça. Je lui paye son salaire. Alors elle doit apprendre à épargner afin qu'elle investisse dans les cryptos ou quoi que ce soit. Pas avec mon argent. Elle a bien dit qu'il s'est en remboursé. Avec intérêt. N'est-ce pas assez? Et moi je dis non. Peut-on manger? Peu importe. Mmh.
Maman. Maman, je veux ton aide. S'il te plaît, j'ai besoin de cet argent cette semaine. Aide-moi. Je connais bien ton père. Il est tellement difficile qu'il n'écoutera pas mes conseils. Non. Maman, c'est pas juste. Je suis une princesse et j'ai le droit d'avoir tout ce que je veux. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi? T'inquiète. Je vais transférer 500 000 naira sur ton compte. C'est tout ce que je peux faire maintenant. Non, maman, ça ne sera pas assez. C'est pas juste, oui. J'ai toujours obtenu tout ce que je voulais, mais pourquoi pas cette fois-ci? Maman, je ne sais pas pourquoi papa rend ce problème difficile, mais complique la vie. Je crois qu'il serait mieux que j'arrête de travailler pour lui. Et il va arrêter de te payer ton salaire. Tu ferais mieux d'être sage et de faire très attention. Oh, Biora! Ma princesse, je vais bien. Je t'en prie, mets-toi. Merci. Allez, mets-toi. Merci, merci. Hey, ça fait longtemps. Hey, ouais. Comment tu vas? Je vais bien. Hey, Igwe, lol. Oh, ils sont sortis. Oui. Dis-moi, comment ça se passe? Ma princesse, tu m'as vu, non? Allez, je t'en prie, appelle-moi juste Babra. Mais tu es une princesse. Bien sûr que je suis une princesse, mais pour toi, Obiora, Babra, ça me va. Je suis d'accord. Allez, vas-y, raconte Obiora. Ça fait un sacré bout de temps. Qu'est-ce que tu es devenue? Es-tu mariée maintenant? Et des enfants? Mariée, oui. Enfant, ouais. Et même alors, je te parle, ma femme est encore enceinte de 8 mois. Elle est lourdement enceinte. Je suis très contente pour toi. Merci. Et toi? Présentement, je ne suis pas mariée, mais je sors avec quelqu'un. Il travaille dans l'entreprise de mon père. Il est l'assistant de la directrice. Et je suis la directrice. C'est ce qu'on appelle la force de destinée. Ah. C'est comme un arrangement divin. Je te dis, directrice, épousez le directeur. Oh, Biora. Mariage entre directeur. Vous êtes dans naissance au directeur. C'est bon. Tu n'as jamais cessé d'avoir l'air belle. Hein? Merci, Michael Obiora Onowa. Tu sais, attends un instant. Je me rappelle de quand on était petit. J'étais taquinée souvent en disant Onowa, comment vas-tu? S'il te plaît, ne va pas là-bas. Ne va pas en arrière. Tu sais, chaque fois que tu m'appelles Obiora. Obiora. Ma princesse, bien. Si tu as quelque chose à m'offrir, je ne sais pas. Pardonne-moi en tout cas. En tout cas, pardonne mes seules manières. Dis-moi, que veux-tu que je t'apporte? Du jus, du vin? Un instant, je connais tes goûts. Tout ce que tu apportes, apporte un vin royal. Tu m'as appelé. Apporte-moi de la nourriture, exacto. Pourquoi? Et Yukera, elle est l'assistante. Pourquoi tu me demandes d'aller t'acheter à manger? Comment oses-tu? Comment mets-tu en question les ordres de toi, un simple chauffeur? Tu as le culot de me répondre ainsi? Je vois, j'ai eu le temps de les observer et je vois que tu commences à voir quelque chose avec la princesse et raison pour laquelle tu as le culot de me répondre, c'est ça, n'est-ce pas? Va voir la secrétaire, prends de l'argent chez elle et trouve-moi de la nourriture, maintenant! Maintenant je vois d'où vient cette autorité. Mon frère, laisse-moi t'informer. Je n'ai rien à faire avec la princesse, ma patronne. Je suis un homme marié. Et j'aime ma famille. Je me fous de cela. Tu m'as entendu? Pas de problème. Va me trouver de la nourriture maintenant. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas de compte à te rendre. Ah. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ma princesse. Bébé. Ne m'appelle pas comme ça. N'ose pas. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Que puis-je faire pour vous, princesse? Oh, ma belle sœur, comment vas-tu? Tu es arrivée très tôt, hein, ma belle sœur. Pourquoi tu ne dis mot? Y a-t-il un problème? Sommes-nous chamaillés? Dis-moi, je refuse. Les femmes enceintes doivent se détendre à tout moment. Ma chère, qu'est-ce qu'il y a? Être enceinte n'est pas facile. Akachuku, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Écoute, Akachuku ne demande jamais pardon. Elle ne se rabaisse jamais. Pas du tout. Donc tu veux que j'acclame pour toi après avoir fait des bêtises à mon frère?
toi aussi à ma place, n'allais pas le faire. Calme-toi, je vais ranger mes cheveux. Akachoko, je n'ai pas de la force. S'il te plaît. Mais pourquoi tu n'as pas la force, toi, vraiment, une grande dame mariée? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est comme je venais de le dire, Akachoko, laisse-moi tranquille. Est-ce par force? Veux-tu me forcer? Ok. Tu sais quoi? Je vais te laisser parce que je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Moi, je vais te laisser en paix. Au revoir. Bye. S'il te plaît, pars. Akachoko, laisse-moi tranquille. Fouteuse des troubles. Tu as raison, c'est pas ta faute. Wanemo. Kegyo, hein? Tu es ainsi depuis... Je peux dire que ça fait 2 heures maintenant. Quel est le problème? Mon frère. Hein? Tu ne vas pas comprendre. Fais-moi comprendre, parle-moi. Mariage. Tu vois le mariage? Le mariage, c'est comme une télé blanc-noir. Ce n'est pas la vraie couleur que ça montre. C'est quoi ce proverbe? Le mariage, c'est comme quelqu'un qui se dépigmente. Eh bien, à une quoi? Femme que tu vois qui se dépigmente. Eh bien, à quoi? Tu sais que c'est pas sa vraie couleur. Tant que toi, tu penserais que ta chose est comme ça. Mais au fond, c'est autre chose. C'est comme ça le mariage. Mais, tu n'as rien dit jusque là-haut. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le problème? Sais-tu que depuis que ma sœur s'est battue avec ma femme, elle ne me laisse plus la toucher? Non, attends. Vous ne faites plus un... Je te dis. Donc, même pas un petit un... Elle ne me donne plus la chose. Du tout. Chaque nuit, ma tête se relève, redescend. Se relève, redescend. Tu ne sais pas. Tu vois que je souffre. Naetaka. Hein? Regarde un peu ton cou. Tous tes os sont visibles. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis en train de la supplier. Là, je ferai des choses, mais rien. J'amènerai le bébé à l'école, mais rien. Je cuisinerai, mais rien. J'ai tout fait pour pouvoir lui plaire, mais en vain. C'est pas facile. Non, tu souffres, mon frère, tu souffres, et c'est visible. N'est-ce pas? C'est visible, mon frère, je te connais très bien. Tu dois m'aider à lui. Oh, je le ferai, je le ferai. Je sais pas ce que je vais encore faire, mais le docteur nous a conseillé de le faire. Le docteur nous a conseillé de le faire afin que tu as compris. Oui, c'est ça, vraiment. Très important. Je sais pas. Tiens, mon frère. C'est parce que je vais encore faire. Tu dois m'aider. Non, mais. C'est pas bon. Pourquoi es-tu mon ami? Je vais lui parler, ne t'en fais même pas. Regarde-moi, tu vois que je souffre. Je vais lui parler et rien que pour toi. Moi, Nemo, mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Tu veux son mari comme ça? Bébé, s'il te plaît. Allez, calme-toi. Donne-moi juste un peu de temps. Ok? Bébé, je n'ai pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Je dois commencer un truc là. Oui, je dois commencer un truc là pour nous, pour notre futur. Je sais. C'est pour ça que je te fais un transfert de 10 millions de naira. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Mon compte bancaire est vraiment à sec. À cause de toi, oui, à cause de nous. S'il te plaît, je t'en prie. Tu t'es entendu? 2 millions de naira. Simple 2 millions de naira. Hein? Tu es la princesse du royaume d'Oumoudion, n'est-ce pas? Fille d'un homme très fortuné. Tu es la manager de cette compagnie et tu as accès au compte bancaire. S'il te plaît, arrête, arrête! Ne cherche pas à m'énerver. Tu crois que c'est facile de prendre l'argent dans l'entreprise de mon père sans son consentement? Tout ce que je te demande pour l'instant, c'est de me donner un peu de temps. Je m'occuperai du reste. Bébé. Bébé, écoute, tu dois patienter un tout petit peu. Je te promets que je vais tout résoudre. Je suis pas ton ami. Aujourd'hui, je vais te trapper aujourd'hui. Maman, 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 maman. Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux tuer ma jeune fille? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu es en train de la battre. Hein? Si tu oses encore le refaire, je te fais manger la sable comme la viande. Tu verras. Akati, Akati. Maman, laisse-moi tranquille. Hein? Eh, Meneguye, c'est quoi ça? C'est mon porc. Mais qui aime? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne lui ai rien fait, c'est juste parce que je ne l'ai pas salué. C'est pourquoi elle a commencé à me battre. Je ne vais plus jamais te saluer. Peux-tu la fermer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu vas bien? Maman, tu vois de quoi je parle? Elle prend la tête à ma femme. Tout juste à cause de ce qui s'est passé l'autre fois. Hein? Est-ce que ma femme est ta camarade? Tu m'as dit de refuser de saluer la femme de ton frère. Hein? Maman, et c'est par force ou par obligation? Tu la fermes. Reviens ici. Lui. Maman, tu vois de quoi je parle? Je t'ai dit que cette fille commence pas à voir un homme. Tu as refusé de m'écouter. Qu'est-ce que cela a à voir avec ça maintenant? Ça, c'est à faire avec. Ça, c'est à faire avec. Hey! Dis non ça. Il n'y a rien que je ne puisse pas voir dans cette maison. Il nous faut matin avec de nouveaux problèmes.
Bonjour, maman. Akati. Maman. Bonjour. Comment tu as passé la nuit? Ma nuit a été merveilleuse. C'est juste les maux de dos. T'inquiète. Ça ira bientôt. Ma fille. Il y a une question que je voulais te poser. Oui, ça me préoccupe beaucoup. Ok, maman. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Toi et ma fille, Chinasa, vous étiez de meilleures amies, à ma connaissance. Mais soudain, vous avez commencé à vous battre, à vous quereller. Vous êtes devenues comme des rivales. Dis-moi, c'est quoi le problème? Maman, il n'y a rien du tout. Si je te raconte cette histoire, tu ne vas pas l'aimer. Dis-le-moi. Bébé, tu sais que je t'aime à la folie. À chaque fois que je pense à toi, j'en deviens fou. Mais c'est Woshi Woshi. Tu m'aimes pas, tu es juste en train de me flatter, je le sais. Ah, si je te flatte maintenant, qu'est-ce que je vais y gagner, hein? L'amour que j'ai pour toi est sincère, tu peux le voir dans mes yeux. Hey, mais qui est là, hein? Qui est qui? Viens me répondre, reviens ici. Viens me répondre, tu parles de qui? Qu'est-ce que c'est ça? Réponds-moi, ça veut dire quoi? Ces petites boules sous ta poitrine, ça ne peut pas se reposer. Tu penses que tu as grandi, hein? Grandir, pourquoi tu disgracies mon ami comme ça, non? Qui est ton ami? Celui-là, ce vaurien de villageois. Qu'est-ce que c'est ça? Très bientôt, tu feras toi-même. Comment ça pique? Cette chose peut acheter des couches? Ce garçon peut faire la layette? Peut-il payer les frais scolaires? Ok. Peut-il prendre soin de trois personnes? Toi, ta mère et ton frère. Dis-moi, réponds. Tu vois, ne vois-tu pas comment est-ce que ce monsieur est un insensé? Ne sais-tu pas faire des bons choix? Ma belle sœur. Grande sœur, je l'aime comme ça et nous nous aimons. Oh, je l'aime comme ça et nous nous aimons. Tu aimes qui? On t'a envoyé à la rivière. Mais non, toi tu viens ici faire passer du temps avec ton chéri. En fait, j'allais dire avec un insensé. Regarde-moi, allez, disparaît. C'est pas bien ce que tu fais. Je suis allez, dégage. As-tu de l'argent? Grande fille, tu te dis aussi grande fille. Pourquoi est-ce qu'on continue à te nourrir? Grande fille, n'importe quoi, je suis une grande fille. Tchalou. Qu'est-ce que c'est ça? Ababé. Ababé. C'est quoi ça? Réponds-moi. S'il te plaît, ne dis pas à mon frère, pardon. Quelle honte! Chinasa! Chinasa! Grande-sœur! Hey! J'ai vraiment honte à ta place. Ouyo! Donc, c'est ici qu'Ezé ne te fait des choses? Ah bah, obé quoi nous? Rapide, comme ça, sans frère. La ferme! Quel déshonneur! Mon frère va me tuer, s'il te plaît. Même pas dans une chambre ou dans un hôtel. Mais à cet endroit, dis-moi, où est-ce qu'il était en train de te toucher? Pour que tu t'emportes, dis-moi, c'est dans le champ. Dans le champ! Tu n'as même pas honte, en plein champ! Qu'est-ce que tu dis? Imbécile! Je sais pas comment je vais te... Regarde-moi celle-là. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Imbécile. Regarde ici. Tu n'as ça. Toi aussi, arrête ça, non? Ok, parce que maman a voyagé. C'est pourquoi tu as eu le courage d'aller te vagabonder dans le village, c'est ça? On se verra. Doucement, c'est une fille. Tu peux pas la frapper de la sorte. Allez, dégage-toi d'ici. Va à l'intérieur, allez. Je dis, va à l'intérieur. Officier, allez. Désolé, oh. Je voulais que tu puisses la punir, mais pas la frapper comme ça. Oh, désolé. Avertisseuse. Non, non. Chinanza. Si tu es intelligente, ne reviens plus dans cette maison. Je te préviens. Pas de problème. Non, t'inquiète pas. Tu vois, ces problèmes, c'est déjà résolu, c'est fini. C'est déjà réglé, t'inquiète. Ok, oh.
C'est une amie. Nous sommes des femmes. Tu nous connais bien. Nous avons des problèmes dans nos têtes. Ok. Non. Que je t'aide à te lever. N'est-ce pas qu'on a encore un problème? Non, maman, je viens te mettre ici, non? Ah, ok. C'est pour te relaxer. Ok. Ok. Si y a un petit souci, tu m'appelles, hein? Ok. D'accord. Prends ton temps, hein? Maman, ta fille là, elle est vraiment bête. Elle est vraiment légère. Je ne l'avais pas compris. En plein. Je veux dire, brousse. Maman, pourquoi est-ce que tu es venue sans pour autant me faire signe? Qu'est-ce qui se passe? Rosa, il y a le feu sur la montagne. Il y a le feu où Tony est de retour. Hein? Il était chez moi hier. Maman. Apparemment, il est revenu depuis la semaine passée de l'Afrique du Sud. Hey! Il m'est cherché? Bien sûr. C'est pourquoi je suis venue ici te voir. Il a demandé. Hein? Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas où. Hey! Juste en les regardant aux yeux, il est désespéré, ce gars. Hey! Tony est désespéré. Ma princesse, que tu fais ici? Je l'ai amené ses dossiers, mais il n'est pas là. Alors où est-il? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là? Mais je crois l'avoir vu entrer dans ses biens. Oui, c'est ce que moi aussi j'ai cru en entrant avec les documents, mais je ne l'ai pas vu, donc je dois rentrer avec ça. Et tu ne fais qu'ajuster ta ceinture. Es-tu sûre que tout va bien? Ok, ma princesse, c'est toujours comme ça depuis le matin. Ça ne fait que descendre. Dans ce cas, je dois rentrer dans mon bureau pour l'échanger. Oui, excuse-moi. It's all right. Bienvenue, hein. Tu connais maintenant ma maison, oui. Hein. C'est ici que je gère. Tu connais aussi ma chambre, hein. Au cas où tu me cherches, tu peux venir directement. Mais tu ne veux rien prendre. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de jus? Oh, non. Écoute, je viendrai prochainement. Et quand je viendrai, je prendrai. D'accord, d'accord. Mais le vin de palme, tu as refusé d'en prendre. Tu peux apporter le vin de palme au palais. Hey. Ok, pas de problème. Oh, ok, d'accord, je crois que je dois partir. Agam, Wanem. S'il te plaît, conduis la princesse prudemment. Pas de problème. Hein? Si tu sais ce qu'on avait traversé. Hein? Hein, de par le passé, hein, elle m'est très chère. Hein, tu ne vas pas comprendre. Donc, conduis-la prudemment, hein, d'accord? D'accord, bye. Soyez prudent. Les vieux souvenirs. Hey! C'était pas facile. Il y a quoi? Qui est cette fille? J'ai pas compris. Qui est-elle? C'est à toi que je parle, chèvre. Dis-moi, qui est cette fille? Là, la princesse de cette communauté, la fille de Igwe. Princesse. Je ne sais pas ce que veut dire princesse, laisse-moi te le dire. Princesse. Princesse veut dire fille d'Igwe. Princesse, et alors? Ouais. Et alors? Qu'est-ce vient faire la princesse dans cette maison? Elle était mon ancienne camarade de classe. Donc elle est venue pour me visiter. Est-ce que c'est mauvais? Elle était. Elle était, mais plus maintenant. Elle était, mais plus maintenant. Qu'y a-t-il de mauvais dans ça? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans cette maison? Tu es déjà un homme marié. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Hey! Tu as perdu le raison. C'est toi qui es malade. Tu as perdu le raison. Fou! Va à l'intérieur. Laisse-moi me rappeler les vieux souvenirs. Quand je résolvais les équations et les simplifiais. Sais-tu ce qu'on appelle équation quadratique? Annabelle, je te l'ai dit. Tu dois arrêter ça, sérieux. Arrête ça. Arrête de venir ici. Tu vas me créer des problèmes. Hein? Tu risques de me gâcher tous mes plans. Je sais pourquoi je te dis ça. Elle nous avait presque eu. Ah, bébé, je suis désolée. Je crois qu'elle n'était pas là. Tu sais, la princesse, des fois, elle est comme un monstre. Tu peux te dire qu'elle n'est pas là. Elle surgit du coup. Je ne sais d'où. Je savais qu'elle n'était pas là. Je suis désolée. Eh, bébé, tu me manquais, alors tu t'attendras à ce que je fasse, quoi. Quoi qu'il en soit,
Quoi qu'il en soit, tu dois arriver à te contrôler. Contrôle-toi, tu vas nous faire dénoncer, non? Quelque chose qu'on a planifié depuis longtemps, tu veux le gâcher comme ça, hein? Le roi sait que je sors avec la princesse et je ne veux pas du tout qu'elle puisse remarquer qu'il y a quelque chose entre nous. J'en regrette, je ne le répéterai plus. Bébé, n'oublie pas que je suis plus intelligente qu'elle. Désolée, non. Ok, d'accord. Maintenant, retourne dans ton bureau, c'est mieux. Oh, prenons encore un peu de temps. Retourne à ton bureau. Retourne seulement parce que je veux pas du tout qu'elle nous voie ici, s'il te plaît. Dans mon bureau. Vas-y, oh. Ma princesse, c'est mon heure de rentrer. Tu es prête de partir? Oui. D'accord, on se verra demain. Bonne nuit, ma princesse. Ce que tu prends, c'est un verre de brandy. Oui. Tu sais, chaque fois que je te vois comme ça, cela indique une chose. C'est que soit tu es triste, ou quelque chose ne va pas bien. Tu vas bien? Onyeka, tu es un homme très sage et intelligent. Et c'est parmi les choses que j'admire beaucoup chez toi. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que par hasard as-tu déjà remarqué un geste bizarre entre Joe et Annabelle? Pas vraiment. Je n'ai pas vraiment fait attention à cela. C'est juste que ce que j'ai vu au bureau aujourd'hui, c'est... Ma princesse, je vais te conseiller de te reposer pour le travail de demain. D'accord? Je ferai mes investigations pour voir si quelque chose se passe entre les deux. Tu le verras? Oui. Écoute, je serai très ravie si tu le fais. Ça me fera énormément plaisir. Écoute, je n'ai rien à te donner maintenant, mais je te paierai un jour. Merci. Bonne nuit. Et fais attention à ça. D'accord? Oui. Ça ne se passera pas. C'est ce qu'on verra. Jamais. C'est bien ce qu'on verra. Ma mère doit partir avec Zarachi. Ma Zarachi ne quittera pas cette maison. Ok. Ça ne va pas arriver. Jamais. Je verrai comment ça va se passer. Ok. Je verrai comment ça va se passer. Que ma fille irait et reviendrait chaque jour à Calaba. Vous la transformez en viande de chien. Où est-ce qu'on fait d'accord. Ça? Vous traînez ma fille par-ci, par-là. Aujourd'hui, vous l'amènerez à Calaba. Demain, vous la ramènerez. Et faites beaucoup attention. Ne me donnez pas l'impression que vous utilisez mon enfant pour des parties rituelles là-bas. Mais n'est-elle plus mon enfant? Je veux me cacher quelque chose. C'est pourquoi vous la faites traîner comme ça. On verra. N'est-ce pas mon agent qui prend soin d'elle? Ok. C'est quoi ça? D'accord. On J'ai verra. J'ai l'impression comment vous avez des plans. C'est ce qu'on verra. D'accord. On verra nous bien. Nous je n'attends que ça. Agode, c'est ma fille. Agode. Agode. Edike est tombé du palmier maintenant. Edike vient de tomber du palmier maintenant là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de tomber du palmier maintenant là. Venez que je vous montre. Que ma fille ne quitte pas. Elle ira. Elle ira. T'inquiète, tu vas me trouver à ton retour. N'importe quoi. Un homme stupide. Cette fois-ci, mon mari ne veut pas. Je ne sais quoi faire. Il ferait mieux d'être d'accord. Il doit accepter. Maman, il aime beaucoup Zarachi. Tu ne l'as pas remarqué? Hein? Et autre chose, dans peu de temps, l'école reprend. Tu ne seras pas à mesure de la ramener avant? Rosa, tu dois trouver un moyen comment parler avec lui. Pourquoi tu ne trouves pas une stratégie dont parler à ton mari? Touche-lui à la tête. Romance-lui, fais-lui sentir comme un homme. Ainsi, tu pourras aller lui dire, « Oh, n'es-tu plus une femme? N'es-tu plus une femme de Calaba? » Hein? Fais quelque chose, s'il te plaît. Maman, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, je t'en prie. Si tu as une idée qui te traverse l'esprit, juste fais-le, fais tout ce que tu peux. Hein? Rosa, tu as dit quoi? Moi, t'aider. Rosa, es-tu en train de me demander de t'aider à faire des romances à ton mari? Oh! Rosa, s'il te plaît. Ne me dis plus ce genre de choses. Es-tu stupide? Maman, je t'en prie, arrête. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu compliques cette affaire. Tant mieux. Tu ferais mieux de ne pas le dire. Comment moi je peux t'aider à faire de romance à ton mari? Ça va. S'il te plaît, je n'apprécie pas Sangbak. Igwe. Mon roi. J'aimerais vous dire que ma princesse,
et son fiancé nous rendent fiers à la tête de l'entreprise. Ils nous amènent assez de contrats et des deals très prometteux. Ouais, pas de doute. Notre roi, ça c'est vrai. Il y sait. Sur ce, j'aimerais vous montrer combien j'ai une joie immense. Alors j'ai décidé de payer votre salaire avec beaucoup de bonus. Plus que ce dont vous Igwe. Attendez. Merci beaucoup. C'est ça. Ma princesse et Joey. Mon roi. J'ai convoqué cette réunion pour vous dire que nous nous attendons à un mariage digne de ce nom entre vous deux. Et de ce fait, je vous demande d'en fixer la date pour des bons préparatifs. Alors, fixez la date maintenant pour que nous mettions le train en marche. Et à part ça, je vous donnerai une Jeep et une île à Lagos, 3 terrains à Abuja et plein de bonnes choses que je ne voudrais pas énumérer maintenant. Alors fixez la date pour que je passe des coups de fil pour que mes amis de partout dans le monde viennent se joindre à nous. Parce que le royaume de Umudiono doit sentir qu'il a un bon roi comme moi qui a donné naissance à une merveilleuse princesse. Alors vous feriez mieux de fixer la date maintenant et tout de suite. Merci beaucoup mon roi, je suis sincèrement reconnaissant pour ça. Tout ça est vraiment incroyable. Mon roi, nous comptons vraiment... Papa, au fait... j'ai besoin d'un peu de temps. Babe, mais nous n'avons pas le temps. Tu as entendu ton père, il a dit que nous devons nous marier. Papa, j'ai pas envie de me précipiter dans le mariage. J'ai vraiment besoin de temps, s'il te plaît. Très bien ma princesse. Veuillez m'excuser. Prends ton temps, ok? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Barbara? N'est-ce pas que tu t'attendais à ça? Tu aimes Joe. Tu n'as cessé de prier et souhaiter que vous viviez ensemble comme un couple. Pourquoi tu deviens froide maintenant? Maman, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour éclaircir mes idées. Il me faut du temps pour être prêt pour le mariage. J'étais très abattue et désespérée, mais ce n'est plus le cas. J'ai besoin d'un peu de temps. T'ai-je entendu dire que tu t'es désespérée? Oui, maman, tu m'as entendu. Genre, tu ne l'as jamais aimé. Maman, c'est pas du tout ça le problème. Le mariage, l'amour et la maison, toutes ces histoires demandent une préparation. Et je ne suis pas prête. C'est pour ça que j'ai besoin du temps pour enfin être prête. Honnêtement, papa aurait dû d'abord m'en parler avant de... Mais tu nous as donné l'impression que tu avais besoin d'un homme. Oui, c'est ça. J'ai toujours besoin de me marier. Mais pas du genre illico presto. J'ai besoin de temps, maman, s'il te plaît. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Elle ne cesse de dire qu'elle a besoin de temps. De temps. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il est tombé du palmier. Et un de ses testicules a été affecté. Hey. Chai. Alors, où est-il maintenant? Il est à FMC, en ville. Oh, FMC. FMC, c'est bien. C'est vrai, ils prendront bien soin de lui. Allez, je c'est l'espère, bon. Tout ira bien, t'inquiète. Maintenant, comment va le roi? Le roi va bien, alors comment va ta femme? Elle va bien. T'inquiète pas, ça va aller. Hein? Hmm. Je t'en prie, arrête de faire ton visage comme ça. Néanmoins, souris, tu es avec moi. La princesse. Laisse-moi te poser une question. Mm-hmm. Est-ce que tu peux te rappeler des histoires que tu m'avais apprises que je ne pourrais jamais oublier? Ça devrait être l'algèbre bien simplifiée. Oh, oh. Tu es vraiment très loin. Dis-moi. À nager. Ah, je me souviens. tu as raison. J'ai oublié. Oh, tu étais j'ai vraiment oublié. Un bon nageur. Dis-moi, ça te dérangerait si on allait nager? Si seulement ta femme ne s'y opposera pas. Non, elle ne peut rien dire. C'est plutôt de moi que tu devrais t'inquiéter. C'est rien, il n'y a pas de problème. Nous irons. Oui. Nous irons. Ça sera génial. Après toi seulement. Quand il sera prêt, dis-le-moi.
Tu vois maintenant, elle ne prend même plus mes appels. Elle ne répond plus à mes appels. Je ne sais même plus ce qui se passe. Je ne sais même plus ce qui se passe. Je n'ai pas cessé de te le dire, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Hein? Écoute-moi très bien. Si cette fille venait à découvrir ce qui se passe entre nous, je te jure que je vais te tuer. Moi? Pourquoi moi? Pourquoi tu me blâmes sur tout ça? C'est à moi que tu demandes ça. C'est à moi que tu demandes ça. Je n'ai pas cessé de te dire de ne pas venir dans mon bureau. Mais tu n'as pas cessé d'y venir sans même me le dire à chaque fois. Hein? Tu ne voulais pas du tout m'écouter. Est-ce que tu sais qu'elle pourrait même aller jusqu'à utiliser ce stupide chauffeur là dehors juste pour nous espionner tous les deux? Oui! Elle a mis en question l'ordre de son père en lui demandant du temps. Quel temps? Quel temps encore? Elle était déjà amoureuse de moi. Et elle a soudainement changé. Oh, s'il te plaît, arrête de crier comme si tu l'aimais pour de vrai. Toi et moi connaissons ton jeu. Même si ce n'est que ça. Que nous faisons tout ça. Oui. Alors arrête de crier sur moi. Mais nous avions des plans, nous avions des plans. Pourquoi tu cries? Oui! Oh. Écoute, tu dois te calmer et donner une idée. Crier ne te sauvera pas de cette erreur. Ah. Ah ah, mon beau. Ah, maman. Pourquoi tu ne répondais pas à tes appels? Désolé, j'étais quelque part. Ouais, j'étais quelque part. Où est ma femme? Ah bah, c'est Dondon. Ah bah, c'est Dondon. Ta femme vient de mettre au monde. Un bébé garçon. Comment donner un garçon? Oui. Qui est là, venu écouter une bonne nouvelle? Oui. Il a une bonne nouvelle. Maintenant, je suis un père d'un garçon. Quelle bonne nouvelle. Hey, maman, monte dans mon caca. Oui. Mon voiture climatisée. Nous monte, monte, monte. Nous avons maintenant un nouveau. Maman, attends un peu. Maman, attends un peu. J'arrive. C'est la joie. Hey. C'est à célébrer. Je t'ai manqué. Hein. Ah ah. Qu'est-ce qui ne va pas là? Tu n'aimes plus mes caresses maintenant? Oui, mais ici c'est un bureau. Ah, toi aussi, bureau, c'est quoi? Nous l'avons fait à plusieurs reprises ici, tu sais. Oui, c'était dans le passé. Et désolé, ça ne se reproduira plus jusqu'à ce qu'on sera mariés. Oh, donc je vois, alors, tu sais ce que tu veux? Oui. C'est pour te rendre heureuse? Oui. D'accord, pas de problème. Quand on va se marier alors? Mais bébé, qu'est-ce qui ne va plus, non? Tu n'as plus du tout envoyé l'argent, qu'est-ce qu'il y a? L'argent que oui, je t'avais... je le ferai quand je serai moins occupée. Ah, bébé, tu n'as pas du tout l'air occupée, là. Tu peux le faire. J'essaie de l'arrondir à 5 millions de naira. Ah, es-tu sérieuse? La semaine prochaine, je te l'enverrai. Waouh. Oui. Tu es tellement délicieuse, tu sais. Oui, ça suffit. Merci, chérie. Remets-toi au travail. Oui, d'accord, je le ferai. Je t'aime, chérie. Wankem. Alors, finalement, tu es un fils. Ouais. Je suis maintenant un père d'un garçon. Mon frère est devenu père. Ouais, oh. Mon frère, père. Comme vous me voyez maintenant, à cause de la joie qui m'anime, j'arrive pas à me voir. Je ne vois plus clairement. N'importe quoi, je regarde. J'ai un esprit que je vois. Notre Dieu est bon. Je sais la fréquence élevée. C'est ça même, mon frère. Ouais, oh. Regarde ma sœur. Donc, comme un train. Elle te donnera le tien. C'est ça notre prière. Hein. C'est tout ce qu'on demande au Dieu. Et ça se réalisera. Bon. C'est très bon. Aïe. Mouniaï. Aïe. Oh oh. Vous voilà enfin. Hein. Rosanna, où est mon enfant? Où est mon enfant? Tu ne pensais pas que je te trouverais, n'est-ce pas? Où est ma fille? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-il? Attends. Dis-moi, qui cherche-tu au juste? Ou bien le bébé orphelin? Oui. Il y a un bébé orphelin là-bas. Un bébé orphelin là-bas. Oh, gars, peut-être que c'est de l'autre côté. Si tu prends maintenant une moto et tu demandes le bébé dont la mère est morte, tu trouveras l'endroit. C'est pas caché. Mon frère, j'ai trouvé celle que je cherchais. Cette femme-là est en train de cacher ma fille. Demandez-lui, Rosanna, où est ma fille? Demandez-lui. Rosanna. De quoi parle-t-il? Rosanna, tu connais cet homme? C'est mon ex. Oh! Hey! Enfin! Un ex. Et qu'est-ce qu'il réclame? Du calme, reviens ici. Non, je veux comprendre. Calme-toi. Ton ex, qu'est-ce qu'il réclame? Attends. Non, il faut qu'on sache comment résoudre l'équation. Calme-toi d'abord. Tchelou? Mon frère, tu vois cette femme ici? Je l'ai mise enceinte avant que je n'aille en Afrique du Sud. Oui! Et je n'ai jamais cessé de prendre soin de cette grossesse. Et juste après qu'elle ait donné naissance, elle a disparu.
tous mes efforts n'ont servi à rien et les a sabotés. Ma mère avait la possibilité de les atteindre. Mais sa mère, elle avait demandé à la mienne que nous étions censés lui donner de l'argent afin qu'elle puisse continuer avec cette grossesse. J'ai payé le tout moi-même. J'ai payé même la nourriture. Mais quand je suis revenu, j'ai demandé à Rosanna de me donner mon enfant et elle a refusé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais mis des traceurs dans leur nourriture. Elles ne me connaissent pas. Maintenant, je vais te demander, où est ma fille Rosanna? Calme-toi. Madame, donne-moi ça. Tout le monde, calmez-vous. Calmez-vous. Mon frère, calme-toi. Écoute, mon frère, ce n'est pas de cette manière qu'on va gérer cette affaire. Essayons de gérer ça calmement. Oh, s'il vous plaît, d'accord? Oga, reviens ici. Reviens! Calme-toi. Je dis bien calme-toi. Je veux ma fille. Tchelou, calme-toi. Mais calme-toi. Écoute-moi, non? Mon mari, je t'en prie, pardonne-moi. Pardon. Aie pitié de moi, je t'en prie. Pitié, oui. Je t'en prie. Mon bon, s'il vous plaît, pardon. S'il te plaît, écoute-nous, aie pitié. Pardonne-nous, aie pitié. Tout ceci est arrivé puisque nous avions eu peur d'être rejetés. Oui. On a cru que tu allais nous rejeter. Tu allais la rejeter. C'est pourquoi on n'a pas voulu être ouvert à toi depuis tout ce temps. S'il te plaît, mon beau. Dans toutes ces années, tu n'as vu aucune raison pour laquelle tu ouvrir à moi. Hein? Tu m'as joué, tu m'as trompé comme si j'étais un idiot. Hein? Où est-ce qu'on fait ça? Pitié. Une fille que j'aime tant. Tu ne m'as pas dit que je ne suis pas son père biologique. Aïe! Aie pitié de moi, mon mari. Je ne peux pas accepter s'il ça. S'il te plaît. Pitié, mon mari. C'est le diable qui m'a trompé. Oui. Je t'en prie. Pardonne-moi. Laisse le diable en dehors de ça. Laisse le diable. Lui-même est assis à la maison. Et tu le déranges, appelant son nom ici. C'est toi qui l'as fait et non le diable. Est-ce que le diable était enceinte pour moi? N'importe quoi. Hey, vraiment, les femmes sont très méchantes. Je suis vraiment désolée. Quand tu penses que c'est fini, poum, elle lancera une bombe atomique. Pardonne-moi, pitié, mon mari. Je ne vais pas permettre ça, jamais. Je ne le permettrai pas. Vous deux, vous allez voir. C'est que je t'aime beaucoup. Hey, mon beau, s'il te plaît. Quel amour. Nous sommes très désolés. Quel type d'amour? Je t'aime. Menteuse. Quoi. Je suis désolée. Laisse-moi. Ne me parle pas. Pardonne. Ne m'appelle pas. Je ne vais pas l'accepter. Jamais. Aie pitié. Tu vois ce que tu as causé. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit, ouvre-toi à ton mari. Mais tu as cru que tu étais plus intelligente. Regarde maintenant où nous en sommes. Regarde le genre d'embarrassement que tu as porté sur moi et sur toi-même. Ma passé. Ma passi. Moi, Okoro Mario. C'est pas vrai. Oui, yo. Hey. Maman, j'étais très choquée. Je n'arrivais plus à bouger mes pieds. Donc, tu veux dire Obiora, n'est pas le père biologique de ta nièce. On est au Kélanyam. Quelle nièce? Maman, c'est quoi ça? J'avais l'impression que cette fille était déjà enceinte avant de se marier avec mon frère. Je me posais des questions. Comment est-ce que la grossesse était entrée très vite? Parce que mon frère que je connais n'est pas amoureux du sexe. Je me demandais. Hey! Ah! Oh. Ne sois pas naïve. Tu essaies de me dire qu'ils ne se sont pas connus avant leur mariage. Maman. Ah, fais na quoi? Mon frère utilisait les préservatifs. Il me l'avait dit. Bon, j'avais vu la grossesse. Je lui avais demandé que c'est comment. Elle m'avait dit que c'était juste une fois. Et puis elle a été tombée enceinte. Maman, je me posais des questions. Depuis longtemps, je me disais ça. C'est pas question de serpent. Sois pas naïve. Je sais pourquoi je l'ai dit. Maman, tu vois pourquoi je n'aime pas te dire des choses? C'est pas ce que tu es en train de me dire. Non. Je suis juste en train de blaguer. J'étais là, on avait confessé. Hey, maman, je te dis, ça m'énerve cette histoire. Quand je pense à cela... Ah, okay. Maman, non, je okay, pas de problème. Pourquoi as-tu en train joué de avec mon frère? Honore notre fils. Oncle. S'il te plaît, dis-nous encore. Pourquoi ce garçon est-il ici? D'accord. Ichi. Hier,
je me réjouissais. Nageant dans l'océan de joie que ma femme a mis au monde, quand cet homme apparut, réclamant que Zarachi, ma fille, est sa fille biologique. Hein? Les merveilles ne finiront jamais. Et j'ai dit, j'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. J'ai demandé à ma femme pour la confirmation. Ma femme est venue et l'a confirmé. Si vous voyez cet homme, si vous voyez cet homme hier, j'ai dit non. Vous les anciens et mon beau ici devez venir vous-même l'écouter et voir. Wanem, du courage. Ça c'est grave ça. C'est très grave. C'est bon, c'est bon mon fils, c'est bon. Rosanna. Rosanna! Monsieur. Ce que ton mari vient de dire, est-il vrai? Je veux l'entendre de ta bouche. S'il te plaît, dis-nous. Réponds-lui. Est-ce que cet étranger ici est le père biologique de ta fille? Oui. Hi! Hey! S'il vous plaît, attendez. Hein? Jeune homme. Donc, c'est toi qui as engrossé la femme d'autrui? Ngueli. Vous voyez ce qui est là-bas. Quelqu'un allait dans le champ de son prochain. Il n'a pas seulement cultivé le champ. Après avoir cultivé le champ, tu as emporté les produits et a même pris le champ avec un bulldozer. Une pure abomination. Qu'est-ce qu'il reste encore? Une abomination. Quelle est la raison de mon existence? De l'abomination. Non, pourquoi tu n'es pas partie au travail aujourd'hui? Travail? Maman, as-tu donc oublié que je suis en congé? Oh, j'avais complètement oublié. Je vois, c'est pourquoi tu as l'air splendide aujourd'hui. Ah oui, je dois me faire belle, je suis une princesse. Hey, dis-moi, comment va Joe? Oui, parlons de Joe. Maman, je voulais te parler de quelque chose. Ok. Maman, crois-tu vraiment que Joe et moi ferons un bon ménage? Pourquoi pas? Bien sûr que oui. Écoute, ma fille. Joe est très intelligent. Il est beau. Il est un bosseur. Et tu sais qu'il t'aime et il tient à toi. Qu'est-ce que tu veux encore avoir chez un homme? Maman, je pense que Joe veut m'épouser juste parce qu'il travaille dans l'entreprise et veut garder ses standings, donc cette relation que nous avons. Comment tu peux aller jusqu'à ce point? Non. Ton père a déjà fait assez pour toi. Pas juste ça. Honnêtement, maman, ces derniers temps, je me dis peut-être que Joe et moi, nous ne sommes pas profondément amoureux l'un de l'autre. Oh. Comment tu peux réfléchir comme ça? Joe t'aime beaucoup. Je peux même l'attester. Vraiment? Bien sûr que oui. Maman, tu ne penses pas que ce serait peut-être parce que je suis une princesse et que je dirige mon entreprise? Arrête. Pourquoi tu commences à penser négativement à son sujet soudainement? Écoute-moi. Ce gars t'aime. Tu ferais mieux de maximiser ses sentiments qu'il a pour toi. Arrête de passer ton temps avec ses pensées qui ne t'aidera à rien. D'accord. Est-ce que cette attitude te va? Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est okay. Mieux. Sérieusement, tu es splendide ce matin. Merci, maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Pourquoi pose-t-elle des questions stupides? Mon roi, je suis étonnée, moi aussi, par ce changement d'attitude qu'elle a. Elle doit se maîtriser et bien se comporter. J'aime bien ce garçon Joe et je veux qu'il se marie. Alors, elle devrait déjà en être préparée. Je pense que je dois parler avec elle. Tu penses? S'il te plaît, parle-lui. C'est tout ce que je veux. Oh,
Ayora, s'il te plaît, conduis-nous à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est les jours du vaccin. Ah, Obiora. Obiora. Obiora, c'est à toi que je parle. Obiora. Obiora. Oh. Joe, il y a quelque chose qui cloche. Que veux-tu dire? La princesse a maintenant un espion. Son changement soudain d'attitude devait te faire réfléchir. Une fille qui t'aime tant et qui était prête à tout pour toi. Elle devient indifférente, subitement, sans raison. Certainement, elle a suspecté quelque chose. Tu marques un point, Ella. Bien sûr. La fois dernière, elle a promis de te donner 10 millions de naira. Elle devait te faire un transfert. Et le jour d'après, elle commence à venir avec des excuses. Genre, non. Je crois qu'elle sait déjà bien ce qui se passe entre moi et toi. Elle cherche juste l'opportunité pour nous avoir. Ah. Je me disais cela, hein? Je le savais, toi. Je savais que tu étais intelligent, toi. Mais dis-moi un peu, comment as-tu pu découvrir cela de toi-même? Je suis le genre de personne très émotive et très attentive en même temps. Tu sais, des fois, elle m'appelle juste pour indexer. Et quand je réponds par ma présence, elle fait genre comme si elle n'avait pas besoin de moi. Tu vois ce genre de sentiment étourdi? Certainement, elle est en train de nous espionner dans cette compagnie. Alors... tu suspectes déjà quelqu'un? Bien sûr que oui. Onyeka, son chauffeur. Je m'en doutais. Ce gars est un poisson retardé. Ah. Écoute, nous devons trouver comment le mettre hors de cette compagnie. Je le savais... Ah, non, ce gars, je le... Ce gars, je le déteste. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime même pas. Même pas un tout petit peu. Hein? Le mot de dos. Oh, Mais, je suis de retour. Hey, je suis allé à Guadi pour acheter cette nourriture chez Wanyocha. Attends. Tu dis quoi? Au Guadi? Hein? Y a quoi? Non. J'en ai pas besoin, s'il te plaît. Ne l'ouvre pas. Pourquoi? Cette nourriture a le goût. Non! De quel goût parles-tu? Cette femme qui est trop sale. As-tu vu la nourriture? Je ne veux pas la voir, s'il te plaît. Chérie. Non, je vais vomir, s'il te plaît, emmène ça là-bas, je vais vomir. Amène ça là-bas à la brousse. Que je l'amène de la brousse pour faire quoi? Hein? On va la jeter. Pourquoi? Je sens l'odeur de Coré. Madame, qu'est-ce que c'est? Premièrement, tu disais que tu voulais offrir ça là. Et je me suis battu pour aller te chercher cela. Tu te plaignais qu'il n'y a pas de piment dedans. Et après, tu disais que tu voulais la sauce de bitalif. J'ai été obligé d'aller t'acheter cela. Tu te plaignais encore qu'il n'y a pas de mangala dedans. Je dois donner cette même sauce que tu as rejetée à Tinonza. Elle l'a mangée sans se plaindre. Est-elle enceinte? Tinonza est enceinte? Ok, maintenant tu dis que tu veux Ofako. Je suis allé au Guadi pour t'acheter du Ofako. Mais il faut goûter ça d'abord. Non. Je refuse, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je vais vomir. Je ne mange pas ça, je refuse. Mais tu disais que tu voulais du Ofako. Je refuse, va le jeter. Je ne veux pas manger ça, je refuse. Quel est ton problème? Hein? Maman, s'il te plaît, viens voir ton fils ici. Maman, s'il te plaît. Arrête, ton fils me fait ici. Il ne me comprend pas du tout. Maman, je ne sais même pas pourquoi elle me fait dépenser de l'argent pour rien. Elle dit qu'elle veut. Elle dit qu'elle veut du Ofako. Et voici Ofako. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Maintenant, elle me demande d'aller jeter ça. Mais c'est ce que tu as demandé, non? Moi, je t'en ai dit. Maman. C'est trop sale. C'est vraiment trop sale, cette nourriture. Je te dis, maman. C'est trop sale. Maman, s'il te plaît, prends. Si elle maman, ne veut pas, laisse-moi. Il faut la forcer à manger cette nourriture. Laisse-moi, je vais manger cet enfant. Oh. Je vais le vomir. Laisse-moi manger, non? Pas, maman, laisse-moi. Tu es une femme comme moi. Tu dois me comprendre, maman. C'est quoi ça? Hey. Ça va, ça. Tu ne dois pas vomir ton enfant. Tu dois le pousser. Hein? T'as grossé ça maintenant? Oui, moi. Maman, non. Tu sais quoi? J'ai besoin de manger l'orange maintenant, là, hein? Avec un peu de citron et du sel. Je vais le manger dans la toilette.
Je vais les manger de la tête, maman. L'odeur là va bien aller avec moi. Si. Maman, je te dis la vérité. Oh, Pia, ça va. Non, non, je te dis. Maman, pas je question. Vais aller manger de la tête. Maman, oublie te ça. Laisse-moi partir. Allô, Obiora. Comment tu vas? Écoute, Onyeka, mon chauffeur, m'a dit que ta femme avait accouché et tu n'as pas songé m'en parler. C'est pas juste. Allez, Obiora, arrête de mêler les pinceaux. Je suis ton ex-petite amie. Tu es mariée et tu sais que je suis dans une relation. Alors, tu peux tout me dire. Écoute, un petit cadeau de ma part ne sera pas mauvais. Donc, tiens-moi informée. D'accord. Je vais t'appeler un peu plus tard. D'accord. À plus. Donc, mon frère, c'est ça, oh. Ah, ah. C'est ça. Mais, attends un peu, oh. Donc, celle-là n'a jamais été ta fille, hein, Obiora? Quelquefois, je suis poussé à renvoyer cette femme. Non, ne dis pas je ça, je la vois maintenant comme une domestique dans ma maison. Non, 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 ne dis pas ça, mon ami. Hey, les femmes sont très, très méchantes. Très méchantes. Mon frère. Mais, Obiora, je te conseillerais de, en tant que mon ami, au fait, de ne pas vraiment t'inquiéter pour cette idée ridicule dans ta tête. Au moins, tu as un fils qui porte ton nom. Ceci est comme un jeu, au fait. Tu n'as pas entré dedans, écoutez, c'est ça. À l'heure où je vous parle, je ne peux même plus l'approcher. Hey, non, je la dédaigne. Qu'est-ce que le docteur a dit au sujet de ta cartouche? Mon frère, oh, tu sais que j'ai passé quelques tests. J'attends que le docteur me donne mes résultats pour savoir si mes testicules sont encore opérationnels, tu sais, non? Il faut prier, oh. Il faut prier, c'est pourquoi tu n'as pas besoin d'alcool pour le moment. Il faut prier parce que tout homme sans testicules, hey, il est inutile. Problème. Ah. Obiora. Tout homme sans acte. Je n'aime pas cette blague. Je n'aime pas ça. Il a raison. Tu vas à l'hôpital maintenant, on te dit que tu n'as plus à Pamo. Je ferai venir pour lui. Tais-toi. Là-bas. Annabelle. Ma princesse. Va m'appeler mon chauffeur. D'accord, ma princesse. Ma princesse, tu m'as appelé. Oui, Onyeka, je t'ai appelé. S'il te plaît, prends de l'argent auprès d'Annabelle et achète-moi les pizzas. D'accord. Et à ton chemin de retour, n'oublie pas de m'acheter un paquet de jus. Très bien, pas de problème. Merci. Ok. Madame, si vous n'allez pas vous coucher sur le lit. Non, je n'ai pas de petites culottes. Et mon mari ne m'a pas donné l'argent pour cette consultation. Mais il m'a parlé au téléphone, me disant qu'il vous avait donné assez d'argent même pour payer aussi pour les factures précédentes. Couchez-vous, s'il vous plaît. Docteur, s'il te plaît, pas jusque-là, je t'en prie. Et parle-moi de ça. C'est ce que tu dois faire, laisse-moi partir. En effet, j'ai utilisé l'argent pour acheter quelques vêtements du bébé. D'accord. Couchez-vous, s'il vous plaît, afin que je puisse vous vérifier proprement. Oh gars, j'ai dit que je n'ai pas de petites culottes. Comment je vais ouvrir mes jambes et te laisser voir la chose de mon mari? Non, et j'espère que ce n'est pas toi qui vas me faire accoucher ces bébés. Tu as des femmes sages, n'est-ce pas? Tu ne vas pas toucher mon bébé. S'il vous plaît, madame, je dois voir ce qui ne va pas avec le bébé, ok? Doucement, non? Veux-tu pousser la tête de mon bébé? Tu veux voir si sa tête est en bas? Tu ne peux pas regarder juste comme ça. Non, d'accord, je suis désolée pour ça. Ça suffit. Faites doucement, je suis désolée, ok? Doucement. Doucement, madame. Je vois comme si... Ça va. Je dois me coucher là-bas. Pas. Ça va. Doucement. Doucement, oui, ça suffit. Docteur. Ici, exactement. Oui, docteur. Oui, exactement. Docteur, avez-vous des femmes sages ici, hein? Appelle-la comme ça, elle va bien me checker. T'inquiète, je suis seulement professionnel. Docteur, femme sage, viens, oh. Juste infirmière. Docteur, s'il te plaît, doucement, non? Arrête de presser comme ça. Femme sage. Madame, calmez-vous, je vais voir. Docteur, ça suffit.
plus un humain, ça me fait mal. Femme sage. Ça va, ça va. C'est le ventilateur que vous êtes en train de toucher. Calmez-vous. C'est quoi avec toi, docteur? Vous allez bien, calmez-vous. Ça suffit. Ah. Allô, oui? C'est bien, princesse Barbara. Quoi? Un accident? Comment? Où? Ok, merci beaucoup. J'arrive. Annabelle? Annabelle! Ma princesse. S'il te plaît, annule toute la réunion que je devais avoir aujourd'hui. On n'y a qu'à connu un accident. Je dois y aller tout de suite. Il est à l'hôpital. Oh, je suis désolée, ma princesse. Ouais. C'est arrivé. Désolée, ma princesse. L'un de ses pieds a été vraiment très affecté lors de cet accident. Il a de la chance, il a survécu. Oh mon Dieu. Docteur, est-ce que vous allez amputer ces... Non. Dieu merci. Il n'y a pas question de faire une chirurgie. Il doit juste avoir du repos pour quelque temps. Même 2 mois. Ok. Après sa sortie d'ici. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oh mon Dieu, ils veulent tuer mon mari pour moi, oh mon Dieu! Pourquoi ceci, mon Dieu? Pourquoi? Je t'en prie, Akacha, arrête de pleurer, ça va aller. Laisse-moi tranquille, toi aussi! Vous voulez tuer mon mari pour me laisser toute seule, hein? Oh mon Dieu! Regarde-moi, mon mari! Akachi! Ne me fais pas ça, s'il te plaît, chérie! Oh, s'il te plaît, j'ai encore besoin de toi! Akachi! Akachi, je vais bien, cesse de tu pleurer. Tu n'es pas bien. Laisse-moi tranquille, tu n'es pas bien. Je ne vois pas. Akachi, je t'en prie, arrête de pleurer, je te promets. Je dirai à mon père tout ce qui s'est passé. Réversons le ciel parce qu'il est tombé. Ça aurait été pire. T'inquiète pas, Akachi. L'entreprise prendra en charge tous ses soins médicaux et tous les autres besoins. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. Tu as te calmer. Calme-toi. Oh, calme-toi, tu vas empirer la situation. Toute chose te concernant doit être différente. Contrôle-toi ici. Oh. C'est pas ta maison ici. Oh. Oh, je te l'avais dit donc. C'est arrivé juste comme on l'avait planifié. Ouais. Mais il aurait dû mourir. Ah, oh, je le souhaite. Je souhaite vraiment qu'il meure parce que c'est le moins qui puisse être fait. Vraiment. Tu sais, quand il sortait de son bureau avec précipitation, j'ai cru que ce gars était mort. Alors c'est juste la jambe. Ah. Ça serait mieux, non? Et il ne pourra plus jamais nous gâcher nos plans. Il ne viendra plus au bureau pour nous espionner. Donc là, nous avons tout notre temps. On a notre temps. On peut jouir. Oui. Tu me connais, toi. Allez, vas-y, on va y aller. Comment tu vas? On m'a raconté tout ce qui t'est arrivé. Comment tu te sens? Tu m'as vu, non? C'est déjà passé. Même si c'est le cas, tu es un homme bon. Tu ne mérites pas ce qui t'est arrivé. Tu l'as vu. Oh. Seul Dieu le sait. Je ne peux pas me tuer. Tu n'as pas besoin de ça. Alors dis-moi, quand est-ce que tu viendras au palais rendre visite au roi? C'est que je suis trop pris. T'inquiète, pardonne-moi. T'inquiète, je vais venir. Je suis en train de voir comment je peux me remonter le moral. Tu vas laver tout ça de ma mémoire afin de voir comment je peux me reprogrammer. Oui. Parce que la situation m'a vraiment déstabilisée. Tu me fais vraiment marrer quand tu parles ainsi. Je t'ai cherché. Je voulais que tu viennes chez moi au bureau pour qu'on discute un peu concernant ton business. Tu sais, conduire les tuk-tuk n'est pas mauvais, donc ne les prends pas mal. Mais je ne peux pas avoir un ami, je veux dire un ami de la princesse. Je veux dire... Un ex-petit ami génial de la princesse conduire les tuk-tuk dans toute la ville. C'est pas agréable. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Oh, Biora. Arrête, s'il te plaît. Je voulais que tu souries un peu. Ouais, mais ne me rappelle pas mon passé, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Soyons sérieux. Tu dois venir au bureau et on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Que puis-je faire? Je peux pas refuser, non? Oh, Biora. Allez, accompagne-moi, je dois partir. Ah, d'accord, laisse-moi t'accompagner d'accord, alors. D'accord, on y va. Merci beaucoup. Apprête bien ces choses, ne nous fais pas manger de saleté, hein? Puisque toi, des fois, tu fais des choses avec légèreté. Ah, maman, n'est-ce pas que je le fais bien? Ah, maman. Maman? Bonjour, maman. Bonjour, maman. Ozuga, maman. Comment il va?
Il va bien. Il a dit qu'il veut la sauce d'Oziza. Ah, chai. Ah, burger. Vas-y doucement, mets-toi bien. Ah, prends le temps de te reposer. Je prépare les haricots avec le banane plantain. Non, il veut Oziza. Hé, hey. Chinasa, dépose tout ce que tu es en train de faire à la maison. Tu dois rester avec ton frère à l'hôpital. Maman, ça chaque fois que je dois aller à l'hôpital, moi je suis fatiguée, je ne vais plus aller. Ayataya, disparais d'ici. Maman, s'il te plaît, regarde cet enfant. Et celle qui reste avec lui depuis n'est pas une femme. N'est-elle pas un être humain? Chinasa, ce n'est pas de amine ta faute. Amine à moi. Maman, je vais aller m'asseoir avec mon mari. Il est mon mari, non? Je suis plus fatiguée de lui quand même. T'inquiète, ma fille. Elle ira. Il est son frère, t'inquiète. Elle finira par y aller. Attends, doucement. Te dérange pas. Laisse-moi juste finir ce que je suis en train de faire. Et Chinasa, nous allons partir. Pas de problème, merci. Un instant. Merci, maman, s'il te plaît, dépêche-toi, je vais masser. Oh, ma chère, je vais te masser. Bien, à gagner nos os, Jachiouko. Babon est furonné, Diego, Jachiouko. Bien, furonné, Diego. Obiora, n'est-ce pas que Chizo qui est en train de pleurer? Et tu es là en train de réparer ton tuk-tuk? Obiora, c'est à toi que je m'adresse. Hey, toi, pauvre con, ne me fais plus ça. Tu me fais ça sur ton domestique. Tu vois, cette idiote. Écoute, toi, tu ou quoi? Laisse-le pleurer. Je veux réparer mon pneu. Qu'y a-t-il? Ah, comment est-ce que c'est certain que je suis le père? Un jour encore, un idiot de quelque part apparaîtrait dans cette maison et dirait je suis le père. Obiora, c'est vraiment ce que tu es en train de me dire. N'importe quoi, Obiora, tu sais ce que je dis. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est vrai. C'est pas juste, Obiora. C'est pas juste. Ok. Tu penses que j'aurais peur de toi? Ou bien j'aurais pitié de toi en te voyant c'est pleurer? Eh hey, ouais, Kojo Wanku. Il va dire mon quoi? Ok. Tu fais semblant de pleurer. Viens pleurer. Viens continuer à pleurer. Obiora. Je rentre chez mes parents avec les bébés. Quelle maison paternelle? Je rentre chez nous. Je pars avec Laisse-moi mon bébé. Te dire, ta maison paternelle. La maison de ton père s'est effondrée. Donc on ne pense même pas aller là-bas. Obiora, tu es méchant. Tu es méchant, Obiora. Que Dieu te punisse. Reste avec ton tuk-tuk pourri. Espèce d'idiot. Toi-même. Regarde-toi. Insensé. Reviens ici, toi, espèce d'idiot. Onyeka, comment tu vas? Je vais bien, ma reine. Es-tu seule? Et qu'on essaie de ta femme, où est-elle? Elle vient de se lever. Et elle revient bientôt. D'accord, c'est bon. Le roi n'est pas au pays. Il t'a envoyé ses salutations et souhaite que tu te rétablisses vite. Nous sommes vraiment désolés. D'accord, merci. Comment va le roi? Il va bien. Onyeka, j'ai tenté d'avoir à maintes reprises, mais tu m'as prouvé que tu es un homme loyal et fidèle. Je suis vraiment désolée pour ce qu'il y a eu dans le passé. J'espère et prie que tu oublies tout ce qui s'est passé, que tu me pardonnes. Ma reine, je ne me souviens même pas de ce dont vous parlez. Je n'ai aucune rancune contre vous ou contre qui que ce soit dans le palais. T'inquiète, je t'assure que tout sera pris en charge. Hein? Merci. De rien. Alors, monsieur Michael, que puis-je t'offrir? Arrête. Oh, ma princesse, c'est toi seule qui m'appelle comme ça. Oh. Allez, arrête, Michael, s'il te plaît. Dis-moi, que veux-tu que je t'offre? Ça va, t'inquiète, ça va. Je vais bien, crois-moi. Es-tu sûr? Ouais, je vais dans ce cas, nous pouvons alors aller déjeuner ou prendre un jus, si tu le veux. Non, tu me connais. Tu me connais bien toutes ces années. Tu sais que si j'avais fait,
J'allais même pas attendre. Je commencerai déjà à fouiller partout. Hein? J'allais même pas attendre que tu me demandes. Ok, d'accord. Alors parlons de la raison pour laquelle j'ai été fait appel. Ok, ça c'est pour toi. Hmm? Ma princesse. Oui, je voulais que tu puisses la voir. J'aimerais que tu investisses dans ton business des tuk-tuk, ou soit investis dans n'importe quel business de ton choix, pourvu que tu ne conduises plus jamais les tuk-tuk. Sinon, je t'enfermerai dans ma voiture. Hey! C'est pas vrai. 2 millions pour moi. Ma princesse, merci beaucoup. Merci. Au fait, tu es libre de me cogner. Si je me vois sur la route, cogne-moi ma princesse. Oh mon Dieu. Aïe. Merci, okay, merci, bon. Merci. Oh, laisse-moi m'agenouiller. Arrête pas ça. Lève-toi, s'il te plaît. Allez, lève-toi. Debout. Mets-toi debout. Désolé. 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 Ma princesse. Désolé. 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 Je pense que je dois m'en aller. D'accord. Je vais m'en aller maintenant, ma princesse. Désolé, c'est bon. Désolé, hein. D'accord, on se voit après. Au revoir. Hey! Quoi? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Tu veux dire que la princesse t'a donné 2 millions? 2 millions? 2 millions? Qu'est-ce que tu dis? C'est ma petite affaire. Oh. Es-tu sérieux? Je te dis. Plus que bon. Oh. Écoute, laisse-moi te dire. Je veux protester. Je vais écrire au président qu'il n'y a plus de princesse nulle part sauf elle. Je te dis. Yeah. D'accord. Qu'est-ce que tu penses faire avec cet argent? Elle m'a dit d'arrêter de conduire quelqu'un. Alors j'ai arrêté de conduire quelqu'un. Donc je veux l'investir. L'investir dans quoi? Je vais acheter beaucoup de quelqu'un. Yeah. C'est sérieux, je l'ai déjà planifié. Je vais acheter beaucoup de quelqu'un que je commencerai à louer aux gens. Les gens vont venir dans ma maison pour louer quelqu'un. Et quand j'aurai assez épargné, j'achèterai ces mini-boss. Alors, Obiora Transport a commencé. C'est ça, oh. Ouais, oh. Ces grandes compagnies de transport, c'est comme ça qu'elles ont commencé. Ouais, ça, c'est une brillante idée. Ouais. Je suis pour. Merci. D'accord? Merci. Par ailleurs, où est ta femme et ton nouveau-né? Elle est là-bas. Elle est juste là-bas. Bien, Obiora. Je veux que tu laisses le passé au passé. Laisse le passé au passé. Embrasse le futur, Wanem. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Si tu me regardes bien, tu verras que je suis de bonne humeur. Ouais. Personne ne recevrait 2 millions et ne serait pas de bonne humeur. On a ta simbe. Tu as compris, je suis de bonne humeur, donc je ne veux pas de problème. Je ne veux pas que tu me ramènes dans le passé. Hein? Qu'elle reste là-bas. Biko, je ne veux pas de problème, je ne veux pas être en colère. Je ne suis pas en train de... Je suis juste venu te voir. Je sais, ce n'est pas que je le dis pour te mettre en colère. Je te supplie juste de laisser le passé. Comment est ton pied? Ça va beaucoup mieux, mon frère. Tu vas mieux. S'il te plaît, oublie le passé du pied. Et focalise-toi sur le futur du pied. Annabelle, tu sais déjà qu'aujourd'hui, dans les après-midi, j'ai voyagé pour Abuja. Et mon vol est à 14h. Donc, j'aimerais que tu rassembles le dossier très rapidement. N'oublie pas surtout celui de Samuel et Ueno. J'aimerais que tu les classes et que tu les mettes tous ensemble. Fais vite. D'accord, ma princesse.
pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Annabelle? Désolée, ma princesse. Nous devons parler. Maintenant. Joe! Tu m'appelles par mon prénom maintenant? Je suis vraiment très désolée pour hier. J'étais vraiment fatiguée et affaiblie. Désolée. Et donc, tu ne t'es même pas dérangée de m'appeler, et même ce matin. Bébé, je savais qu'on allait se voir au bureau. Tu vois, on s'est croisés, on est en train de discuter. Tu sais quoi? Nous allons passer la nuit ensemble. Et je veux que tu sois chez moi. Oui! Excuse-moi. Que moi, princesse Barbara Okonkwo, dois venir chez toi passer nuit? Mais d'où est-ce que te vient cette idée? Joe, tu connais très bien la tradition. Je ne peux pas passer dans la maison des noms, excepté s'il m'a épousé. Je m'en fiche! Je m'en fiche, je me fiche complètement des traditions ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Je viens te dire que nous allons passer la nuit ensemble aujourd'hui. Oui. Sérieux? Allô? Redescends sur terre, monsieur. As-tu oublié que je me rendrai à Abuja pour aller représenter l'entreprise dans une réunion? Et la réunion aura lieu demain? Allez, Joe, tu connais très bien cette affaire, mais qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Ok, d'accord. Quand tu reviendras alors? Nous devons parler, je ne te comprends plus, en fait. Je ne comprends plus ton comportement. Okay. J'ai l'impression qu'il est fâché. Vraiment, hein? Mon frère, tu n'as pas pleuré comme un bébé. Hein? Ce n'est pas la fin du monde. Écoute, c'est Dieu qui est au ciel qui verra et prendra soin de tout le monde. Oh bien, tu ne connais pas ça, alors laisse-moi tranquille. Regarde-moi un peu, je t'en prie. Hein? Un homme totalement inutile assis à côté de toi. Oh bien, regarde. Tu n'es pas encore un homme inutile. Tu n'es pas inutile. Tu as compris? Et la foi, oublie ce qu'a dit le docteur. Que tu ne vas plus avoir de testicules, c'est du mensonge. Le docteur peut écrire un rapport, mais Dieu le réécrira. Va à l'église, va à Dieu et dis à Dieu que tu as perdu tes testicules parce que tu étais... Obiora. Dieu te donnera d'autres Obiora. Testicules. Obiora. Tu sais que je ne vais jamais à l'église. Alors commence à aller à l'église. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église alors que je ne suis jamais allé? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas, hein? Je vais aller chercher la guérison, mais Dieu va me voir comme un aventurier, comme un fou, hein? Est-ce que c'est toi qui gère les yeux de Dieu? Est-ce que c'est toi qui sais comment tu... Laisse-moi avec mon problème. Oublie ça, mon frère. On dit que s'il y a des détresses, va à Dieu. Est-ce que Dieu se plaint? Hein? Va à l'église. Quand les gens y vont pour prendre la Sainte Cène, va aussi. Peut-être les anges descendraient pour partager des testicules. Prends pour toi et va-t'en. Alors donne-moi les tiens. C'est pas une question. Non, mais donne-moi les tiens, fais-en l'échange. Je vais te donner le mien. Je ne suis pas tombé du palmier. Va à Dieu, c'est Dieu qui crée les testicules. Obiora, laisse-toi tranquille. Il peut te donner du Obiora, laisse-toi tranquille. Si tu veux pleurer, va chez toi. La grossesse me rend comme une paresseuse. Je ne suis pas une paresseuse, moi. Je cherche le travail, maintenant que toi, tu ne travailles plus. J'irai mieux dans 2 mois. C'est ce que le docteur a dit. 2 mois. Donc la princesse va t'attendre. Hein? Elle va engager une autre personne avant que tu ne puisses rentrer, non? Ce n'est pas possible. Je suis le chauffeur en chef dans ce palais. Et par ailleurs, j'ai un second. Il va s'occuper de la princesse pendant que je guéris totalement. Je n'attendrai pas où. Je vais me trouver du boulot maintenant. Ça veut dire quoi? Quelle est cette idée? Tu veux aller chercher du boulot dans cet état? Quelle personne sensée va t'employer dans cette condition? Laisse-moi d'abord aller, non? Madame! S'ils me rejettent, je vais leur dire comment je suis. Madame! Fais attention. Tu veux aller chercher du boulot. Je ne suis pas celui qui subvient aux besoins de cette famille. Est-ce que je t'ai dit que je suis en faillite? Voilà pourquoi je vais... Madame, calme-toi. Je dis calme-toi, je ne veux plus discuter de ça avec toi. Reviens encore sur ce sujet et tu verras. Qu'est-ce que tu fais ici? Éduquer, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rose, nous devons parler tous les deux. Parler de quoi? Parler de ma condition. Ta condition? Oui, ma condition. Écoute, j'ai les résultats du docteur et il m'a dit que je ne serai plus capable d'engrosser aucune femme de toute ma vie. Mais tes cycles sont vraiment défectueux et là, ils sont vraiment endommagés. Ah. Oui. Et en quoi ça me concerne? Tu le sauras. Pourquoi tu le sauras très bientôt. Ok. Rose, je pense qu'il est... Non, il est plus que temps pour toi de jouer carte sur table et en finir une fois pour toutes. Le chat. Je ne comprends pas.
comprends pas et je ne sais pas de quoi tu veux parler. Le chien, le chat ou peu importe. Où est-ce que tu veux en venir? Toi et moi savons de quoi est-ce que je suis en train de parler, Rose. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu sais très bien que cet enfant n'a pas le sang de Biora. Tu le sais bien. Éduqué, j'ai pu voir que tu es fou. Tu es malade, tu n'as pas de cervelle. Ne m'insulte pas, oh. Ne t'abuse pas de moi, hein. Arrête de m'insulter. Rose, je vais revenir et je prendrai mon enfant pour partir. C'est tout ce que je suis venu te dire. Ok. Écoute, Éduqué, tu es malade, tu es fou, un véritable insensé, un homme mort. Que dois-je faire maintenant? Comment est-ce que je vais gérer ce problème? Je suis fini. Votre Majesté, un acte abominable a été commis par ces jeunes hommes. Éduqué, qu'est-ce que tu as fait? Imaginez que ce jeune homme est entré dans ce palais pour m'informer, moi et mon cabinet, qu'il a eu à coucher avec ta femme à chaque fois que tu t'es déplacé ou faisais un voyage. Igwe, vous voyez, récemment, il a commencé à boire. Aussi jeune qu'il est, il a commencé à boire perdant de l'espoir. Hein? Perdant de l'espoir dans la vie. Il est mon ami. Et je lui ai toujours dit, change, change, change. Mais récemment, il a commencé à faire de la comédie. Donc, il est en train de plaisanter. Donc, ne prenez pas au sérieux tout ce qu'il vous a dit. Tout ce qu'il vous a dit, c'est juste de la plaisanterie. Obiera, mon fils. Est-ce que pour toi, nous avons l'air des plaisanteurs? Imagine. Hein? Même si ça a l'air drôle, est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que le palais a l'air d'une scène de théâtre ou de comédie pour toi? Je me demande. Éduqué, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que Igwe a dit? Igwe a dit quelque chose que tu as fait. Quoi qu'il arrive, oh mon ami, tu sais que tu es mon frère. Je suis désolé en tout cas. Oh Biora, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'était le diable qui m'avait poussé à faire ça. C'était l'œuvre du diable, oh Biora. Mais je peux m'expliquer. Je suis désolé, Obiora, écoute-moi. Je peux t'expliquer. Je suis désolé. Je peux t'expliquer. Je suis désolé. C'était l'œuvre du diable. Eh ouais. Je suis désolé, c'était l'œuvre du diable, hein. Mes anciens, oui. Obiora. Obiora, mon ami, mon frère. Jamais! Et ne fais pas attention! Obiora, non, arrête! Jeune femme, Igwe, dis-moi, est-ce vrai que ce jeune homme a couché avec toi alors que tu étais encore mariée à Obiora? Réponds-moi! Réponds à la question. Obiora, lève-toi. Obiora, qui est-il? Obiora. Allez. Obiora. Il faut la réveiller. Obiora. Voilà,
comment se présente mon jugement. Ejike. Igwe. Malheureusement, tu es le père biologique de l'enfant. Tel a été le résultat du test d'ADN effectué. Malgré tout, pour avoir commis des actes aussi maléfiques et abominables, tu es de ce fait banni du royaume des Oumoudiol. Igwe, je vous prie. Igwe, s'il vous plaît, mes anciens. Obiora, Igwe, s'il vous plaît. Jeune femme. Igwe. En ce qui te concerne, c'est à ton mari de décider de ton sort. Igwe, j'ai décidé. Je ne veux plus fixer mes yeux sur elle. Qu'elle disparaisse. Vous voyez que je ne regarde pas vers son côté. Je regarde un autre endroit. Je ne veux plus la voir. C'est ça ma décision. Pitié, n'importe quoi. Je t'en prie, pardonne-moi. C'était l'œuvre du diable. Pitié. J'ai le cœur brisé. Comment as-tu pu soumettre ce jeune homme à un tel tourment? On venait de m'apprendre que ta première fille, que ta fille aînée, était la semence d'un autre homme. Mais tu as dit qu'elle était la fille de Obiora. Tu es une disgrâce et une honte pour la féminité. D'ailleurs, vous deux, dégagez d'ici. Sortez! Je dis sortez! Obiora, je t'en prie. Obiora, mon frère, pardonne-moi. Hein? Je ne connais pas ton frère. Je ne connais pas ton frère. Espèce d'idiot. Disparaissez! Obiora, sois un homme. C'est la vie. Mais ça ne doit pas mettre fin à ta vie. Tu as encore beaucoup de jours devant toi. Alors tu as encore beaucoup à faire avec ta vie. Sois un homme. Obiora. Oui. Igwe a raison. Sois un homme. Sois un homme. Allez. Igwe, je suis désolé. Ça, c'est terrible. Comment cette femme peut te faire cela? Hein? Comment elle pourrait te faire ça? Ça, c'est une abomination, non? Hein? Les choses se passent dans ce monde-là. Hey! Je le savais depuis le début. Rosanna. Dieu, tu me regardes et tout ceci m'arrive. Hmm? Regardez-moi. Oh! Donc, je n'ai plus d'enfant. Aucun enfant. Même pas un demi-bébé. Même pas un demi-bébé. Jamais! Obiora, mam. Kasi. Naya ka ngwageni. Dieu te donnera une femme qui te convient. Amen. Tu sais tout ce qui se passe dans cette vie. Hein? Tout ce qui nous arrive, c'est pour une raison. Alors, sois fort. Sois un homme. Kasi. Mes deux enfants me sont enlevés. Mes deux enfants sont partis. Ah, je ne vais pas me réconforter. Jamais! Mon je ne vais pas l'accepter. Calme-toi. Hey! Je sais ce que tu ressens. Je ne sais pas ce que je ressens. Non, ne dis pas ça. Tu ne le sais pas. Ta femme ne te trompe pas. Donc ne dis pas ça. Laisse-moi mourir. Ne meurs pas. Ne dis pas ça. Je veux rester avec calme-toi, mon beau. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait? Joe, on n'a plus assez de temps. Je sais. Hein? Je sais, je suis confus. Je ne sais vraiment pas quoi faire là. Je ne pense plus qu'elle veuille me donner cet argent. Hein? Ça a pris beaucoup de temps. Écoute, tu dois faire tout ce que tu peux. Tu sais que je suis enceinte. Et bientôt, ça sera déjà visible. Mais tu plus les stratégies. Fais ce que tu peux. Faisons vite. Baby, pays. Tu peux essayer de te calmer, je t'en prie. Je l'ai appelée au fait là il n'y a pas longtemps. Et elle m'a répondu en me disant qu'elle était à une réunion. Et qu'elle m'enverrait 1 million ce soir même. Ok, dans ce cas, si tu fais ces transferts, je peux te précéder à l'étranger, comme ça tu me suis après. Je crois que c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas d'abord... Okay. Tu me connais, toi. Waouh, tu me fais jouer rien qu'à te voir.
la mets dans le sac. Oh non, non, non. Non, mais arrête ça, là. Continuez. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne vous arrêtez surtout pas. Allez, continuez. Bébé. J'ai déjà fini toutes les images. Attends, tu es vraiment sérieuse? Mets tes habits et sors d'ici, qu'est-ce que je viens de te dire? Tu me prenais pour une idée. Bébé, je peux t'expliquer. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Crois-moi, je t'en prie. Je t'ai dit de sortir d'ici, bordel. Apportez ces documents. Ces documents, oui, ces documents. Bébé, je t'en prie. Ce n'est pas ce que tu penses. Bébé, bébé. Nous a-t-elle vraiment vu? Doucement. Doucement. Oh, doucement. J'ai très mal. Hey, j'ai très mal, oh. Doucement. Je n'arrive plus. Vas-y, doucement. Je ne serai plus, de oh, frapper, je non. Maman. Chinanza. 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 Aïe, j'ai très mal. Je n'arrive plus. As-tu perdu la tête? Non, mes pieds. Peux-tu arrêter? Chinanza, viens l'aider. Le bébé arrive. Ça fait très mal, oui. Es-tu cinglé? Mais viens l'aider, non. Chinanza, écoute-moi. Je vais te frapper. Chinanza. C'est à cause des dieux, sinon je ne te toucherai pas. Je t'avais averti des derniers ans que nous puissions arrêter de faire ces choses au bureau, mais comme tu n'étais pas en mesure de te contrôler, tu vois maintenant. Toi, arrête ça surtout. Pourquoi tu me blâmes maintenant? Hein? Comment pouvais-je savoir qu'elle n'avait pas voyagé? Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Tu sais quoi? Trouve-toi une place où tu pourras simplement te cacher. Je dois vraiment reposer ma tête là parce que je suis vraiment stressé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu me balances? Tu m'as très bien entendu. Trouve-toi un endroit où te cacher. Joe, écoute, je ne vais pas avoir de problème avec toi. Ne me pousse pas à faire le pire. Reposer ma tête où? Pendant que je suis enceinte de toi, dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi une destinée, j'en finirai avec toi. Es-tu fou? Es-tu malade? C'est toi qui m'as mis dans ces pétrins. T'es fou pas de moi. N'ose pas le faire. Lâche-moi d'abord. Tu iras nulle part. Tu veux m'abandonner? Aïe. Tu ne me laisseras pas ici. Tu ne vas pas t'enfouir ici. Oh mon Dieu. Ma princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ton père est déjà en train de rentrer. Dis-moi chérie, c'est quoi le problème? Maman, quand je te disais que je ne voulais plus me marier à cet idiot, tu ne me comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas qu'il t'a largué. Parle-moi. Regarde toi-même. Jeez. Quoi? Joe et Annabelle? Nu? Ah! Non. Non. C'est quoi tout ça, mon Dieu? Incroyable. Ah! C'est bon, mon enfant. Arrête de pleurer, d'accord? Rose. Ah, Dieu merci, tu es toute seule. S'il te plaît, je veux mon bébé. De quelle bêtise es-tu en train de parler? N'importe quoi. De quoi est-ce que tu parles? Tu le sauras. Écoute, tu as intérêt à rester très loin de moi, sinon je vais te montrer que je suis une femme calaba. De quoi est-ce que tu parles, Rose? Tu sais pourtant bien que le Hugo m'a banni. Alors je suis ici pour récupérer mon bébé. Ne t'en fais pas pour moi, j'irai très bien. J'irai très bien et mon bébé le sera aussi. Tu devras passer sur mon cadavre pour avoir ses bébés. Inawam. Si tu passeras sur mon cadavre. Inawam. Si tu veux avoir ses bébés, suis-moi, Kalaba. Nous allons rester ensemble et élèverons ses bébés. N'importe quoi. Je vois ce que tu veux faire. Tu veux m'amener là-bas au Kalaba pour bien en finir avec moi. Rose, donne-moi mon bébé. Rose, donne-moi mon bébé. Allez, dégage. Eh wo. Eh wo. Ma maman est où, eh? Tu veux me rater mon bébé? C'est bien fait pour toi. Mes gonades. J'ai tué ce garçon de mes propres mains.
une fois que je l'aurai vu. Allô, inspecteur. Comment tu vas? Oui, je venais de t'appeler tantôt là. S'il te plaît, il faut que tu traques ce garçon. Trouve-le et mets-le aux arrêts. Tu vas le libérer, c'est ma suite, je t'en donne l'ordre. S'il te plaît. Oh, merci. Merci. Encore une fois, merci. La police est à sa recherche. Très bien. Comme ça, il aura sa leçon. Imaginez un garçon qu'on a pris comme notre propre fils. Il le paiera à mort. Allô? Onyeka. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Félicitations. D'accord, pas de problème. Je te verrai demain. Bye. Papa, maman, la femme Monica vient d'accoucher. Waouh, vraiment, oui. C'est une bonne nouvelle. Oui. Félicitations à elle. Mais félicitations. Ma fille, s'il te plaît, essaye de te ressaisir, ok? Je crois que Dieu te donnera un autre homme. Amen. T'inquiète, maman, ça va. Je ne suis plus fâchée. C'est juste que je croyais que ça allait marcher entre nous. Oui. Allô? Obiora. Quoi? Tu sais quoi? Ne déplace pas. Reste là où tu es. J'arrive tout de suite. Aller où? C'est quoi? Cette nuit? Papa, c'était mon ami Obiora. Il a dit qu'il vient tout de suite d'entrer dans sa parcelle et il a trouvé Ejike couché par terre. Et il y a beaucoup de sang qui coule de son scrotum. Hein? Les policiers ont débarqué chez lui et ils veulent l'arrêter. Non, tu ne vas aller nulle part. Hugo, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. C'est bon alors. Les gardes iront avec toi. Ok. Maman? Hein? Où étais-tu parti? On t'a beaucoup cherché. Je suis allé te chercher ce vin de palme frais. Ah. Hein? Pour te dire merci. Où avais-tu trouvé l'argent? Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Hein? La princesse m'a envoyé de l'argent après avoir payé les factures. C'est une bonne chose. Très gentil. Que Dieu la bénisse. Tu le diras merci, ma parole. Je ferai ça. Je ferai ça. Laisse-moi chercher un tabouret. Non, puis... non. Chérie, reste. Qu'est-ce que c'est? Je voulais profiter de ce temps pour vous dire merci. Maman, merci. Chérie, merci. Allez-moi. Lorsque j'étais enceinte, je me battais tous les jours. Vous ne m'avez pas du tout abandonnée. Maman m'avait traitée comme sa propre fille. Et toi, Onyen, tu m'avais pris comme ta propre soeur. Tu n'as pas à dire tout cela. Merci. Tu sais déjà que je t'aime, non? Tu sais que c'était le mec qui était en train de me pousser. Maman, vas-y, bats-toi. T'inquiète pas. Bats-toi, maman. Je t'aime comme ça. Si je ne t'aime pas, je ne vais même pas penser à t'épouser. Je sais. Tu es mon bébé et je t'aime. Je t'aime aussi. Et je continue à te respecter. C'est ça. Merci. D'accord? Ça mon va. Amour. Tu n'as pas besoin de te déranger pour ça. Je te comprends. Merci. Akatsuki, maman. Maman. Ne te dérange pas. Je sais que c'est l'enfant qui te poussait à agir ainsi. La grossesse change le comportement d'une femme. Après tout, si tu étais ma fille, est-ce que je te chasserais dans ma maison? Pas ça revient toi-même. Igwe m'a dit de venir avec toi, mais je lui ai dit que tu ne peux pas te déplacer maintenant. Oh, pourquoi? C'est quoi pourquoi? Tu ne peux aller nulle part, non? Tu viens d'accoucher. Hein? Je dois aller le voir après. D'accord? Okay. Maman, cherchons des verres. Vivons ceci. Et d'ailleurs, le bébé est en train de pleurer. Hé, hey, c'est pas ça. Oh, mon bébé, oh, mon bébé. Oh, vraiment. Oh, maman apporte des verres, hein. Bébé. Oh. Hey, ça fait beau ce matin. J'ai peur. Hein? Comment pourras-tu faire face à ton père et lui dire ça? Il m'a été très gentil, je ne veux pas l'offenser. Bien que ce soit mon désir aussi, que tu sois ma femme. Obiora. Obiora, toute ma vie, mon père a toujours pris des décisions à ma place. J'ai voulu être un docteur. Mon père avait insisté que je puisse faire le marketing pour enfin être une femme d'affaires. Cette fois-ci, j'ai besoin de prendre des décisions seule. J'ai t'aimé depuis.
et j'avais réalisé que j'étais toujours amoureuse de toi. Et le bon Dieu t'a ramené dans ma vie. Je ne vais pas me marier avec une autre personne. Cela me rendra triste tout le reste de ma vie, Obiora. Je t'aime beaucoup. Et je vais être avec toi. Aïe, oh. Aïe, 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 aïe. Je ressens la même chose, je ressens la même chose. Je ressens la même chose, oh. L'amour qu'on avait perdu est encore revenu, et même plus fort. Mais j'ai peur de tes parents, hein? Pourtant, je veux qu'on soit ensemble. Tu m'as manqué, je t'aime aussi, oh. Je suis ravi de vous réunir tous ces jours. C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci, Igwe. Onyeka. Igwe. J'aimerais vraiment te récompenser pour ta dévotion, ton intégrité et la manière dont tu te donnes au travail ici au palais. Merci. Mais aussi pour l'amour que tu manifestes envers ma fille en particulier et ma famille en général. De ce fait, ma famille et moi avons décidé de te faire cadeau d'une somme de 5 millions de naira et d'une voiture. Hein? C'est juste pour te récompenser, pour ton dur labeur et ta dévotion. Pour moi? Oui, pour toi, mon cher. Mon beau. Igwe. Hey. Hey, Igwe, 5 millions. T'es un jeune homme merveilleux. Merci beaucoup, Onyeka. Merci pour être un gentil confrère pour moi. Merci. Hey. Igwe, merci. Merci. Igwe, merci, oh, malgré ma soeur qui causait des problèmes. Maintenant que vous avez récompensé mon beau, ma soeur va se calmer. Ma soeur sera en paix. Hein? Elle va faire partie. Hey, mon beau. Mon beau. Hey. Maintenant, tu es devenu riche. Igwe, merci. C'est vraiment bien d'être bien. Et je te dis, toutes tes bonnes œuvres ne seront jamais en vain. Ma princesse. Ma joie. La fille de son père. Sais-tu que je t'aime? J'ai vraiment eu le temps de réfléchir sur ce que tu m'avais dit la fois passée. Et j'ai pris la décision de donner mon approbation pour ton mariage avec Obiora. Oh mon Dieu! Igwe. Merci papa, merci beaucoup. Now. Voici mon beau. Hey. Mon Dieu. Igwe. Merci. Eh oh. Je vous bénis. Igwe. Eh, Onyeka mon beau. Oui. Onyeka mon beau. Igwe, merci. Que Dieu vous bénisse. Princesse. Ah, c'est pas vrai. Igwe, je ne croyais pas. Parce que je rêvais. Je vais épouser la princesse. Moi, épouser votre princesse. Moi, prouve que je suis. T'épouser la princesse. Toi, la princesse. Igwe, c'est comme un rêve pour moi. Oh, get it. Hey! Dieu vous bénisse. Ah. One name. Enlève d'abord ta main. Hein? Ok. Désolé, je suis fou de joie. Ah non. Viens par ici d'abord. Ok, vous devez avancer pour ma bénédiction. Ok. Viens, Odano. Ok, ah avancez. Viens. Et mettez-vous à nous. Viens à genoux avec moi. Avancez. Et à genoux, vous devez. Viens, ma princesse. For bringing you my way, 'cause this love is not ordinary, ordinary. This love is not ordinary, ordinary. That's why I call you my own.
un enfant de chantier. Yes, I've got my flaws and my imperfections, but you know, Sandy, I told you. Everybody there wonder how you they cope with me. But you know they bother, but you understand me. Yes, I'm a fighter, but I've got a loving soul. Don't ever fail or joke with the ones I love, or you have me to contend with. Yeah, and I will still choose you, even in my next life, cause you're my angel, God so be more. Ordinary, that's why I called you my own Nyechi, oh Nyechi, I thank you.